C'est du son. Les gars, comment ça va tout le monde dans le chat? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir. Alors attendez, je mets le casque. Ah oui, les gars, qu'est-ce que ça fait du bien de vous revoir. Comment le chat va? Yo, ça va, top, top. Yo, 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 tout le monde. Yo, le chat, est-ce que vous allez bien? Première question. Merci Nico pour ta donate. Let's go, le maillot du PSG. Top 1, c'est sûr. Merci mon ref. Merci Big Recon. Tu peux dire The Bee la mouche, The Bee la mouche, merci pour ta donate, Wawa. Le chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien, ça me fait plaisir de vous voir en live. Qu'est-ce que ça me fait plaisir, le chat. Merci à tous ceux qui sont déjà là, qui mettent le pouce bleu, qui sont abonnés, hein. Les gars, je tiens à vous remercier pour la vidéo d'hier. Voilà, j'aurais jamais pensé qu'une heure de vélo, vous allez kiffer. Regardez une heure de vélo. Pour ceux qui l'ont regardé, est-ce que la vidéo vous a plu? J'espère qu'elle vous a plu. Le monteur s'est tué pour vous faire un truc de ouf. Je me suis tué pour vous faire un truc de ouf. J'espère que le défi Paris-Roubaix a été relevé haut la main. J'espère que vous avez passé un moment devant la vidéo. J'espère qu'elle était cool. J'espère qu'elle était cool, les BG. Mais j'ai eu des bons retours dans les commentaires. J'ai eu tellement d'abonnés. Vous étiez ultra sympa. Vous avez kiffé. Et de me dire, ouais, je fais une vidéo sur le vélo et que vous kiffez aussi une vidéo sur le vélo, je me dis, ouais, c'est... Je sais pas si ma commu, elle va regarder ça et tout. Et que vous ayez kiffé, oui, 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 oui. Oh, le chat, vous êtes en feu. Vous êtes en feu aujourd'hui, le chat. Oui, oui, félicitations, j'ai pas encore regardé. J'espère que tu la regarderas après le live. En tout cas, ça fait trop plaisir, les gars. J'ai posté aussi sur Insta, j'espère que vous avez vu mon post Insta. Le chat, je compte sur vous, les gars. Pour tous ceux qui ont vu le post, ça fait plaisir. Je suis content, les gars, je suis content. Parce que je suis revenu de Paris-Roubaix, je suis revenu de tous les petits trucs. Ça faisait 3 semaines que j'étais pas à la muscu. J'ai repris cette semaine, donc je suis content. Ça reprend petit à petit. J'ai tourné une vidéo jeudi qui sortira samedi prochain. Eh les gars, c'est bon, je suis là. Il y a les lives Fortnite. J'ai pas pu jouer à Fortnite depuis je sais pas combien de temps parce que bon, à cause des streamers et tout, bon, je m'étais un peu arrêté. Là, il y a la nouvelle saison, c'est l'opportunité de retaper quelques games. J'espère qu'on va s'amuser, j'espère que ça va être cool, j'espère qu'on va passer un bon live, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà quoi. Yo tout le monde, yo 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 le chat. Oh putain, vous êtes trop chaud dans le chat. Félicitations Enox, t'es le meilleur. Oh, c'est vous les meilleurs. C'est incroyable la photo Insta, un crack. Oh vous êtes incroyable. Merci tous ceux qui ont liké la photo, ça fait voir, oh, vous êtes des cracks.
Incroyable la vidéo. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci mon ref. Grosse dédicace. Tous ceux qui ont vu la vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, bah on va commencer le live tout simplement. Si tout le monde va bien, c'est le principal. J'ai pris vos nouvelles. Le plus important, c'est que tout le monde soit bien, que tout le monde soit passe un bon moment. C'est que vous soyez tout chaud pour le live ensemble ce soir. On va passer un bon moment. On va découvrir la nouvelle saison tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et voilà, merci MTS. Ouais, je suis tombé à la fin. Merci MTS, merci pour les donates, merci à tous ceux qui sont là. C'est parti, on va voir. Alors, j'ai pas vu le trailer. Je vais mettre le trailer. Avant même de commencer, j'aimerais bien qu'on voit le trailer. Est-ce qu'il est bien le trailer de la nouvelle saison? Je l'ai pas vu, merci Zenitsu. Le problème c'est que je peux pas quitter Fortnite. Et j'ai un bug avec mon PC. J'arrive pas à... En fait... Regarde, attends. Donc, je vais entrer dans le jeu là. Le problème c'est que si je quitte Fortnite, j'ai une attente ou pas? Regarde, j'ai un truc Windows Update là. Comment je l'enlève ça? Alors, là c'est déjà cassé hein. Ça commence à me saouler. J'arrive pas à enlever le truc Windows Update là. C'est équipé. Ouais, non, je m'en fous. Oh non, je voulais pas mettre ça. Bah attends, mais. Ah ouais. Attends, mais j'ai pas vu la bande-annonce moi. Hein, je m'en fous de ça, je m'en fous. Ok, attends. J'ai pas vu la bande-annonce. Eh, je peux la voir où la bande-annonce? Mais j'ai un truc Windows Update, mes couilles là. Comment je le vire? Comment on le vire ça? J'arrive pas à l'enlever, les gars. Putain. Il y a un bug sur mon PC, ça m'énerve. Parce que si je quitte le jeu, c'est... Il y a que Doctor Strange, mais elle est bien la saison. Fais la croix. Mais non, ça va me quitter le jeu. Attends, j'ai baissé la fenêtre. Attends, on va voir si ça marche. J'ai appuyé, on va voir si ça marche. Il n'y a pas de construction. Comment ça, il n'y a pas de construction, les gars? Il n'y a plus de constru. Il n'y a plus de construit sur le jeu, je vous crois pas. On peut plus build. Non, t'es un mytho. Chier, on peut plus build. Attends, mais... Ok, le jeu a bugué. Oh non, on va devoir attendre 10 ans. Oh non, me dis pas. Oh non. Non, on peut plus build. On peut plus build. Attends, j'essaye de baisser la fenêtre là. Ah, c'est bon. Pourquoi il s'enlève pas le truc Windows Update là? Comment je le vire? Regarde, je peux pas cliquer sur mon bureau Windows. Regarde. On est d'accord, mon PC est fini à la pisse là. Je peux. Regarde, je clique partout là. Théma, je clique partout, ça marche pas. Je peux pas le virer? Clique sur le X. Mais Théma, je clique. Je clique sur mon bureau, ça marche pas. Je clique sur la barre en bas, je vais ouvrir Google, ça. Oh non, mais les gars. Pendant 9 jours, on peut pas build. Quoi? Non, c'est trop baisé. Jure, on peut pas. Bah frère, je vais jouer avec ça, hein. Parce que si je quitte le jeu, je dois attendre combien de temps, là? Eh les gars, je pense que je vais jouer avec ça, hein. Si je quitte le jeu... Mon PC, hein. Mon PC, les gars, j'ai un PC de compétition, frérot. Mon PC, c'est un PC de la NASA, il bug. Contrôle Alt Supre. Fais Contrôle Alt. Y'a rien qui marche, frère. Faut redémarrer ton PC. Mais si je redémarre le jeu, ça prend combien de temps? Je dois attendre. Je dois attendre combien de temps si je relance le jeu? Une heure! Non. Merci Nocti. Je dois attendre une heure! Oh non, flemme. On va pas. Vas-y, je vais jouer avec, hein. On s'en bat les couilles, hein. On va tester avec, hein. Pas les couilles, frère. Mais pourquoi elle s'enlève pas la barre? Moi, j'ai pété un câble. Moi, je fais route. Mais gros, mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi c'est tout le temps moi? Ça arrive. Vas-y, on va lancer une game. J'ai la barre de Windows. Non, mais il pleut. Mais de comment ça il pleut, frérot? Non, mais c'est trop. Éteins et rallume l'ordi. Ouais, mais les gars, si je rallume l'ordi, on peut pas jouer pendant une heure. On va faire quoi, nous? Alors, attends. Ah ouais, mais je bug de toute façon. Quoi? Wesh, c'est comment que je cours là? Wesh! Mais attends, c'est trop baisé! Mais c'est Sonic! Ah, mais je vois pas ma barre d'inventaire. Ah ouais, mais je vais relancer. Ah ouais, mais laisse tomber. Ah ouais, je me sens injouable. Attends, mais wesh, Théma? Théma, les gars, quand tu sautes, c'est trop baisé! Ouais, mais. Attends, mais. Comment je recours là? Mais attends les gars, c'est trop d'art. F11. Mais je peux pas, mon PC marche plus les gars. Mon PC marche pas. En fait, je vais relancer le PC après cette game. Mais on va attendre. On va attendre, mais j'espère on va pas attendre trop longtemps pour ouvrir le jeu, hein. J'espère on va pas attendre. Je relance tout de suite ou... Ou après? Je relance tout de suite ou après les gars? Yo, ça va, j'adore tes vidéos, félicitations à toi et PA. Tu montres aux gens que rien n'est impossible. Merci beaucoup Ticia, ça fait plaisir. Merci Joël, merci mon gars. Merci beaucoup les gars.
J'arrive pas à faire F11, mon PC marche plus les gars. Le PC il est broken gros. Je peux rien faire. Bon vas-y, je vais relancer le jeu. Je vais relancer le jeu. Parce que sinon, tout le live, vous allez me dire F11. Attends, je relance mon PC. J'ai relancé. J'ai relancé, je relance, comme ça on joue bien. Gros les gars, c'est pas normal. J'ai un PC, il coûte combien? 7 000 euros et il me fait ça. 7 000 euros mon PC, il me fait ça gros. Les gars, s'il vous plaît, je suis maudit, c'est pas possible. 7 000 euros gros. Le trailer, en plus j'ai même pas vu le trailer, j'ai envie de voir le trailer. On va regarder le trailer. Fais contrôle shift Windows, ça marchait pas frère, mon PC était... Frérot, il était éteint. Merci Dova, merci Esprit Shonen. Ah d'ailleurs, en attendant que ça se relance mon PC, j'ai une question pour ceux qui connaissent. On va voir les vrais connaisseurs. J'ai Madiba, est-ce que vous connaissez Madiba les BG? Il m'a offert un cadeau. Regardez le cadeau qu'il m'a offert. Il m'a offert un cadeau. Je sais pas ceux qui ont pas vu ma story. Frérot, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un Shonen Jump. Ça sort que au Japon. Et c'est là où t'as les premières planches des premiers animés ou mangas. Et là, c'était Demon Slayer. C'était avant qu'ils sortent et tout. Et t'as les toutes premières planches de Demon Slayer en japonais. Mais ça, c'est collector, hein. Ça, c'est collector, frérot. Mais la tête de Wham, je connaissais pas. Il me l'a offert, il m'a dit, frérot, ça, garde-le bien au chaud. C'est collector et tout. Du coup, là, je le mets dans mon truc. Il garde, c'est un BG, il m'a offert ça. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Vous connaissiez les trucs comme ça? Oh, trop stylé, trop bien. Et à ce qui paraît, le Shonen Jump de One Piece, vous savez combien il coûte? Le Forest Jump de One Piece? Ça coûte 17 000 euros. Pas lui, il coûte pas 17 000 euros là, celui que j'ai là. Jure, ça coûte 2500 euros. Celui que j'ai là? Celui qui m'a offert coûte 2500 euros? T'es un mytho. Alors, eBay. Vente. eBay. Déposer une vente. Une annonce. Jure, il coûte 2000 balles. Non, je pense pas que c'est un qui coûte aussi cher celui-là, si. Je pense que celui de One Piece coûte très cher, en vrai. Celui de One Piece, il doit coûter bien cher. Hein. Il y a des tanks et des montgolfières. Quoi? Dans Fortnite? Ah ouais. Oh non, les gars. Et en plus, il y a la barre encore? Oh non. Frère, j'ai 28 minutes de sale file d'attente, gros. Oh non. Merci, Choël. Merci, mon ref. Oh non, les gars, on a 28 minutes de... Oh non. Vous avez combien de temps, vous? Oh non, j'ai trop le seum. Merci, Raph. Merci, Anto. Merci, mon ref. Merci, Wazox. Oh non, j'ai trop le seum. Oh, dur. Relance? Relance le jeu? Si je relance, ça reset ou pas? Hâte 5 minutes et relance ton jeu. Oh non, j'espère qu'on doit pas attendre 28 minutes. Alors là, si on doit attendre 28 minutes, je vais péter une durite. Tu peux régler dans le jeu? Change l'heure du PC. Il y a un mec, il a dit change l'heure du... En mode, ça marche. Moi, 12 minutes. Moi, 1 heure. Pour la barre, fais alt entrée. Attends, alt entrée. Oh. Oh, t'es bon. Ok, ça c'est bon. Mais on doit attendre 28 minutes. Regarde le trailer sur YouTube en attendant. Ah ouais, au pire, en attendant, regarde le trailer. La vidéo, Rérubé, super, bravo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Attends, on va regarder le trailer. Au moins, on a un truc à faire. On va regarder le trailer, attends. Alors, je sens que mon PC est encore bugué. Je vais racheter un PC. Je vais... Ok, c'est bon. C'est bon, j'étais à deux doigts de péter une durite. Trailer Fortnite saison 2, chapitre 3. Ok. C'est ça, c'est saison 2, chapitre 3. Il y a 5 jours. Il y a 3 heures. Ok, attends. Fortnite. Twitter. Normalement, il y a sur Twitter. Attends.
Normalement sur Twitter rien. Fortnite, Twitter. Fortnite, Fortnite Game. Ils ont mis le trailer normalement. Ok, c'est ça. Ok, vous êtes prêts les gars? Un maximum de flammes pour le trailer de Fortnite. Je l'ai pas vu. L'animation, elles sont incroyables. Hein. Wesh, il sort d'où le god géant là? Wesh, il y a des tanks. Wesh, y'a des montgolfières et tout, frère. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Oh, il est encore là, lui, Terminator. Ok, y'a des grappins. Ah ouais, il a enlevé le build. C'est lui qui a enlevé le build, les gars. Ouais, bon, par contre, c'est bon, ils nous ont saoulés avec l'Avenger. Wesh. Ah ouais, c'est la guerre. Fortnite Resistance. Ok, bon, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur trailer. Vous en avez pensé quoi? Ah, c'est lui, il a plus. C'est lui, il a enlevé les construits. Putain, donc il y a vraiment plus de construits, c'était pas une blague. On peut plus construire dans Fortnite. Non, c'est trop fou. Mais attends, mais les gars, pourquoi il y a... Mais attends, moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, c'est Fortnite ou Avengers? À chaque fois, ils mettent tous les Avengers, frère. Je t'ai envoyé un mail. Merci, mon ref. On peut plus construire. Mec, ça c'est baiser de plus pouvoir construire. Ça, j'ai envie juste de jouer pour voir comment tu joues sans construire. Il n'y a plus de build. En vrai, les gars, stylé, ça pète. Bof. Bof. Pas ouf. Cool. Pas ouf. Pendant 9 jours. Et je crois qu'ils ont fait un truc là. Tous les revenus de Fortnite sont donnés à l'Ukraine. Un truc comme ça, je crois. Si on achète des skins et tout, tout est donné à l'Ukraine. On peut construire, mais que en arène. Ok, ok. Putain, les gars, j'ai envie de jouer, mais Théma, on doit attendre combien de temps, gros? On doit attendre 23 minutes. Qui attend avec moi, là? Qui dans le chat attend 23 minutes avec moi? Putain, j'ai trop le seum. Gros, on doit attendre. Maintenant, on doit attendre pour jouer. Non, mais c'est... Merci, Nstar, pour ta donate. Gros dédicace, Hans et Jalo. Merci, Théo. Merci, DocStackFan. Merci, Tizia. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Ah non, frérot, je te jure, chaque trailer, c'est Avengers. C'est Fortnite X Avengers. Gros, c'est plus Fortnite, ça va s'appeler Marvel le machin, gros. Que des skins de Marvel tout le temps, gros, sur le jeu, ils mettent. Là, j'ai hâte de voir la saison. J'ai hâte de voir les mécaniques de jeu et tout. Mais putain, ça nous manque tous, de toute façon. Ça nous manque tous, Fortnite d'avant, frère. Tu devrais rejouer à PUBG. Putain, ça date, PUBG, mon ref. Hein. Je tenais à te remercier pour le RT. Merci, Paprika, merci, mon ref. Ah non, les gars, je vous jure, ça manque. Ça manque, là, je suis nostalgique. Il n'y a plus de jeu en ce moment, frère. En ce moment, on se fait chier, gros. En ce moment, le chat, on se fait chier. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Non, je relance pas, les gars. Ça va nous mettre une heure. Je prends pas le risque de relancer. Mais en ce moment, les gars... Gros, rappelez-vous quand on jouait tous au même jeu. Là, il n'y a plus de jeu, frère. Tout le monde est dispersé, là. Et c'est plus comme avant. Joue à Clash Royale. En attendant. Ah. Oh, en attendant, je peux jouer à Clash Royale, hein. Ou au pire, on parle. On a 20 minutes pour parler. C'est réel, réel. On peut grimper. J'ai la file d'attente, c'est pénible. Ouais, mais même moi, j'ai envie de jouer. Plus la merde. La saison, elle est bien sur 10. Elle est combien? Il y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit si elle était bien, la saison. J'ai pas vu. Ouais, Enoch, la saison est trop bien. Ouais, la saison est éclatée. Vous m'avez pas trop dit. Est-ce que vous avez joué? Ou ça se trouve, vous attendez tous dans la. Comme avec moi, là. C'est devenu Apex League of Legends. C'est devenu Apex Fortnite. Elden Ring. Ah ouais, mais ça, c'est des jeux tryhard. T'as les ouf, ça. Hein. Saison 6, la meilleure. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir, l'équipe. 5,
7, 0, 6 sur 10, 2 sur 2, 2 sur 10, elle est éclatée, 10 sur 10, 6, 6. Ah ouais, mais en fait, vous avez pas kiffé la saison, là. En fait, elle est trop bien. Ah, il y en a, ils me disent elle est trop bien, mais... éclatée, bof. Il y a quoi de nouveau dans la saison, là, les gars? Je vois pas, il y a quoi de nouveau. 10 sur 10, les tanks. Oh, il y a des tanks, frérot. Je suis sûr, les tanks, c'est comme les robots, frère. C'est une dinguerie. Enfin, en mode, ça va être chiant, quoi. 2, 10, 10, 10. Il y a un match ce soir, non? Il y a l'OM, OM qui joue, non? Il y a OM qui joue? OM contre qui, là? Nouveauté, nouvelles armes, tu peux escalader et sprinter. Tu peux escalader des murs? Ouais, j'ai trop baisé, ça. Il y a le retour du pompe chasseur. Oh, ça, par contre, ça me fait bander. Ça, j'ai le zizi tout dur s'il y a le retour de ça. Par contre, le pass est incroyable, donc 7 sur 10. 1 sur 10 éclaté au sol. Oh, les gars, ça tire à balles réelles. Oh, il y en a, ils tirent à balles réelles. Il va y avoir Goku de DBZ. Non, là, Dragon Ball Super, ça va reprendre, non? J'ai vu qu'à Skip, dans les scans, ça parle de Bardock et tout, je sais pas quoi. Les mechas sont incroyables. Bon, on verra bien. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on peut faire, les gars, en attendant? On peut réagir à un truc ou un petit truc à faire sur Internet? Après, on doit attendre 20 minutes. Merci, MalZDK. Merci, mon ref. On a 20 minutes, là, à tuer le temps pour jouer. Mec, 20 minutes pour jouer à un jeu. Putain, les gars, c'est beau. C'est beau. Le pass est claqué. Ouais, de toute façon, moi, les gars, le pass, je l'achète jamais. En vrai, j'achète jamais tout le pass de combat parce que je suis jamais fan des passes de combat en soi. Au pire, on se fait un petit Clash Royale. Hein. On se fait un petit Clash Royale en attendant, les gars. Clash Royale, vous m'avez l'air chaud de jouer à Clash Royale. On peut se faire un petit combat Clash Royale, les gars, au pire. Hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire en attendant. Donc, venez, on se fait un petit Clash en détente. Alors, attends. Je lance le jeu. On se fait un petit Clash Royale en attendant. Vous savez que je m'étais fait ban de Clash Royale, je sais même pas pourquoi. Je m'étais fait ban, ils ont dû me déban. Nouveauté, on peut plus build pendant une semaine. Mais et c'est nul de plus build ou c'est dard? Et vous savez, les gars, attends, vous savez quand même que sur Clash Royale, j'ai mon pass de combat. Enfin, non, j'ai mon code créateur, les gars, sur Clash Royale. Je compte sur vous pour mettre mon code créateur. Les gars, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui mettent mon code créateur sur Clash Royale. Hein. J'y joue encore avec mes potos, mais j'ai pas beaucoup joué en MM sur la nouvelle saison. T'as entendu parler du drame qui s'est passé en Belgique aujourd'hui? Il s'est passé quoi en Belgique, le chat? Merci, Jonas. Il s'est passé quoi en Belgique, mon BG? Ah, j'ai pas entendu, j'en ai pas entendu parler de ça. Hein, de ce qui s'est passé en Belgique. Ah merde, attends. Je me connecte à mon compte. Se connecte. Ah, attends, ça bug là. Je pense que comme il y a le Fortnite ouvert, ça va pas marcher. Je pense que ça va pas marcher. Attends, j'essaye. Moi, c'est déjà fait. Je sais pas, je suis en Belgique. Il s'est passé un truc en Belgique ou... Il y a un mec qui m'a dit... C'est quoi mon code créateur? C'est Inoxtag, mon ref. Inoxtag. 6 morts. Comment ça, 6 morts? Merci, Binks. Attends, j'arrive pas à me connecter au truc, là. Je suis en train de me connecter au jeu. Merci, Bolski. Ok, c'est bon. Alors, attends. Je cache mon tel, sinon vous allez pouvoir tous vous connecter. 702. Alors. Ah ouais, mais putain, les gars, mon PC, il veut pas. Comme il y a Fortnite derrière, il veut pas mon Clash Royale, il bug là. Une voiture qui a foncé dans une foule. Mais attends, mais comment c'est possible que ce genre de truc, ça arrive? Il s'est passé quoi? Il y avait un événement, il y a une... Vous voyez pas mon ordi, là? Ah non, vous voyez pas. Il a crash. Ça a crash, je peux rien. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Regarde mon ordi, regarde.
Mais, non, mais gros, on va relancer le jeu, va y écrire une heure, va y avoir écrit une heure, j'en peux plus. Mais pourquoi je suis maudit? Je live jamais. Pourquoi vous me faites ça quand je veux live? Putain. Ah ouais, on est maudit. Non, on est maudit, c'est trop. Je savais que j'aurais pas dû lancer Clash Royale. Frérot, je vais racheter un PC. C'est pas possible. Grosse dédicace, Jade. Or, elle me l'apprend. Merci Butski, merci mon ref. Tu me redonnes le sourire, merci Warès. Une voiture a renversé une foule. Mais c'est horrible, gros. Je vais regarder les infos tout à l'heure. C'était au carnaval. Mais gros, mais c'est n'importe. Comment c'est possible que ce genre de truc... En vrai, on peut pas le prédire, les trucs comme ça. Les gars, un max de... Je donne toute ma force aux Belges pour ce qui s'est passé. Mais je regarderai, je m'informerai après le live. Là. Putain, les gars... Gros, je suis sûr que c'est mort. Là, on va même pas pouvoir relancer le jeu. Là, il va me mettre une heure. Là, il va nous mettre une heure d'attente. Là, s'il nous met une heure d'attente, je vais péter un câble. Je vais regarder les infos après, les gars, pour me renseigner sur la situation en Belgique. En tout cas, un max de force pour les familles belges et pour tout ce qui s'est passé. Putain, les gars, si je dois attendre 10 ans... Pitié, prie avec moi. Yes, Let's go. Je suis content d'être dans une file d'attente. Non, mais j'ai jamais vu ça. Merci, Nicolas, pour ton sub. Merci, mon ref. Voilà, 15 minutes. Voilà, moi, me la fais pas, moi. Même si mon péché, il crache, je suis encore là. C'est pas ça qui va m'abattre. Putain, les gars, j'ai eu peur. J'ai vraiment, réellement cru que c'était mort. Et là, je tente plus. Là, je bouge plus de cet écran. Merde, j'ai plus de micro, il est cassé. Mais... Oh là là. Ah non, c'est mon casque, c'est bon. Là, les gars, je tente pas. Je tente pas. Là, je fais rien du tout. On reste sur l'écran, sinon ça va péter. Il y a des gens qui m'appellent. Oh ouais, frérot. Les gens, ils ont mon numéro de téléphone, ils y arrivent. Je te suis depuis le Canada. Merci, mon ref, ça fait plaisir. Tirlis One Piece. On en fera une, mon ref, Jordan. Merci beaucoup. Grosse dédicace. Merci, Jordan. GG. Bah, en vrai, les gars, je suis content. On s'est pas retrouvé à zéro de la. De la file d'attente, là, j'aurais eu vraiment le seum. Inox? Merde, j'ai pas vu. T'as de la chance. Attends, les gars, on est d'accord, j'ai une question. Si là, c'est 14 minutes, on attend 14 minutes. On est d'accord, ça va pas me relancer une file d'attente. C'est 14 minutes, mon jeu se lance. Y a pas de chichi, là. Ça se lance direct. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut... En vrai, on peut faire qu'un truc sur Internet. Y a pas un jeu sur Internet qu'on peut faire... J'en sais rien, moi. On doit attendre 14 minutes, les amis. 14 minutes. J'ai commencé One Piece, je suis épisode 71. Le début, c'est bien ou pas trop. Je suis là où il y a les géants dans la jungle. Merci, Vincent. T'en es à... Ah, où il y a les géants dans la petite île, là. En vrai, c'est dard. De toute façon, les vrais trucs de One Piece, pour moi, c'est quand ça commence... moi, les trucs que j'ai le plus kiffé... Arlong Park, j'avais bien aimé... Ignès Lobby, frérot, tu vas voir quand tu vas arriver vers là, c'est dard. Agario, ah oh, ouais, Agario, les gars, Agario, c'était Slither.io. Oh là là, oh le jeu de ouf, oh le jeu de baiser, vous êtes des ouf. Oh le jeu, qui se rappelle de ce jeu? Inox Tag. Mais oh là là, mais ça c'est un jeu, ça a bercé notre enfance. Bon, en vrai non, on était déjà grands quand on jouait à ça. Alors mais les gars, bah, en vrai ça passe le temps, on peut parler en même temps. Si je gagne la game, si je suis premier, je donne 200 euros à un mec dans le chat. Fais le jeu du dinosaure. C'est quoi le jeu du dinosaure? Ah non mais frérot. Eh attends, venez, on parle un truc ça. Ce jeu, on est d'accord qu'en cours de technologie, tout le monde y joue. Genre là, quand t'avais techno, tu prenais le PC de la techno et tu jouais au jeu comme ça, frère. Est-ce que je suis le seul? De toute façon, technologie, j'ai l'impression on avait tous les mêmes profs de techno, frère. Techno, frère, les profs, ils en battent les couilles, tu peux faire ce que tu veux, ils en ont rien à foutre. Frérot, ça jouait à Minecraft en techno, moi. Ça jouait à Agario en techno, ça jouait à Minecraft, frérot. Frérot, je pense en techno, on avait tous les mêmes profs. Le prof, genre... qui s'en bat les couilles du cours. Il te dit ouais, fais ton dossier, tu laisses ton groupe faire le dossier et toi tu joues. La tête de homme. Oh putain, il est mort. Ah non. Non, moi ce que je faisais, les gars, c'est que t'avais des dossiers à rendre, fin de truc, je laissais mon groupe faire. Attends, merde, j'ai failli le tuer lui. Je laissais mon groupe faire et moi je branlais rien. Et je pense on faisait tout ça.
C'est sûr, on faisait tout ça. Oui, j'étais pareil. Techno, j'ai pareil. Ouais, pareil. Ah, mais je pense que c'est tous pareil, la techno. Hein. Et généralement, le truc le plus sérieux qu'on a tous, c'est les maths. En mode, t'as rarement des profs de maths qu'on n'a rien à branler. Je pense, c'est vraiment les profs de techno qui en ont rien à branler. Hein. Enfin, en mode, qui sont un peu le plus passif. Oh, il y a une petite boule, là. C'est quoi, ça? Ça donne quoi, ça? Attends, je suis déjà gros, là. Attends, je vais le manger. Ça, c'est... Oh oui, là, j'ai une bonne longueur, là. J'ai une très, très bonne longueur. Là, je peux arriver dans le top. Oh non, il y a des mecs qui ont des vraiment grosses bites. Hein. Oh, lui, frérot, elle est énorme. Ah, oh, 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 frérot, lui, elle est énorme. Elle fait toute la map. Elle est énorme. Géométrie. Alors voilà, je l'ai mis une feinte. Si je touche ma queue, je meurs ou pas, les gars? Si je touche ma queue, je meurs ou pas? Je crois pas, hein. Non, musique. Oh ouais, musique aussi, c'était vraiment... Ah, moi, mon prof de musique, en vrai, c'était pas trop la branlette. Moi, mon prof de musique, les gars, je parlais, il me mettait un mot direct. Ah, moi, les gars, moi, je vais être honnête, hein. Mon but, c'était de faire signer... Oh putain, il a fait mon cul. Ok, je peux toucher ma queue. Les gars, moi, mon but, est-ce que vous aussi, c'est quand j'avais un mot, je voulais pas que ça soit mon daron qui signe, je voulais que ça soit ma daronne. Oh, il m'a tué, ce bâtard. Oh non. Oh, il m'a enculé. Attends, j'en fais une. Je voulais pas que ça soit ma daronne qui signe, je voulais que ça soit mon daron. Parce que mon daron, je sais que... non, je voulais pas que mon daron signe, je voulais que ça soit ma daronne. Parce que si mon daron voyait le mot... Frérot, c'était Debza sur le lit, frérot. Ah, frérot. Ah non, 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 moi, fallait que ça soit la daronne qui... J'attendais pile le soir où le daron, il était pas là, il travaillait le soir. Comme ça, c'est ma daronne, elle signe. Elle m'engueule pendant une heure et après, c'est bon. Parce que moi, ma daronne, elle m'engueulait, mais t'as vu, une heure après, ça passait. Ah, le daron, frérot, il l'a là, le mot. Ah, le daron, frérot, un jour, il m'a engueulé devant mon proviseur, frère. Oh, le malaise, frère, il était venu au rendez-vous parent-prof. Le prof, il m'a poucave, il m'a défoncé devant le daron. Je me suis fait enculer, gros. Moi, c'est l'inverse, je donne au daron, pas à ma daronne. Ah, vous, c'est l'inverse. Vous, c'est qui, les gars, qui est le plus tolérant? La daronne ou le daron? Ah, moi, la daronne était plus tolérant que le daron, hein, je vous le dis. Ah, frérot, moi, quand je faisais une connerie, carrément, je faisais exprès de rester tard le soir. Je disais que mon bus, il rentrait tard. Comme ça, je rentrais le plus tard possible. Ah, parce que si s'il y avait le daron, c'était fini pour moi, les gars, je vous l'ai dit. Ah ouais, valait mieux pas que ce soit le daron qui voit les mots. Moi, l'inverse, moi, c'est la daronne. Ah ouais, vous, c'est la daronne. Daron, 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 le daron, la daronne. Wesh, hey, c'est 50-50. Ma sœur. Ah ouais, bah lui, carrément, c'est sa sœur. C'est sa sœur qui s'occupe de lui. La daronne. Inox, faut changer l'heure. Moi, je pense pas que ça change quelque chose. Hein. Bon, attends, lui, il commence à me saouler, ce petit gnome. Alors, hop, donne-moi ta graille. Lui aussi, hop, donne-moi ta graille. Voilà, ma daronne, mon daron. Ah, en vrai, c'est mitigé, quand même. Ça veut dire c'est un peu des deux. Il n'y a pas que du daron ou de la daronne. Oh, lui, il s'est suicidé. Ça se trouve, c'est des abonnés qui se suicident. Oh, lui, il est dans rien. Oh là 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 là, le clutch. Oh, le clutch. Oh, je l'ai fumé. Est-ce que je vais être plus gros que lui, normalement? Je sais pas si je vais être plus gros. Oh, là, je suis énorme. Là, j'ai... Ça, c'est un ver solitaire. Quelqu'un a déjà eu des vers solitaires? Ah, ça, c'est un truc qui me fait peur d'avoir des vers... Attends, lui, il peut me niquer. Hein. Vers solitaire, c'est un truc qui me fait quand même bader. T'as un ver dans l'intestin. Attends, ça donne beaucoup, ça? Je sais pas si ça donne beaucoup. Attends. Oh non, j'ai failli le tuer. Maintenant. Comment il m'a clutch? Oh non, mais c'est trop dur. Vas-y, de toute façon, c'est bon, les gars. Le jeu, il me reste 7 minutes. On va attendre tranquillement. Je sais, mais ta bite a durci? Non, mon ref. Non, non, non. Là, elle est très molle. Elle est toute petite, là. J'ai vu Deep Glow sur ton bureau. T'es un bon BG. Merci, BG. C'est quoi, ça, Deep Glow? Merci, mon frérot. Merci Kaïs. Merci Aitan. Merci beaucoup. Merci Gaëtan pour ta donate. GG pour ta vidéo de samedi. Merci mon frérot. Allez, on attend. Il nous reste 7 minutes. On est bon. Il s'appelle. Merci mon ref. T'es un crack. Inox, va voir mon DM Insta. Ouais, je suis revenu. Je te vois jouer à ça. Frère, c'est pas valide. Non, mais en fait, les gars, j'attends le timer de Fortnite pour jouer. En vrai, je jouais pas à 6h bon yo. En mode, ouais, les gars, on travaille à 6h bon yo. Abominable. Allez, les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai mon chien. Le 1er septembre, j'ai mon chien. J'ai mon chien. Après cet été-là, je vais en été, je fais le voyage des croutons et tout. Quand je rentre, j'ai mon yinche. Je suis trop heureux, les gars. Je vais avoir mon chien. Est-ce que vous avez un chien, vous? Merci, Mika. Ça va ou quoi, mon ref? Ça va et toi? Est-ce que vous avez un chien? Ah non, en vrai, j'ai hâte d'avoir mon chien.
C'est donc lui le streamer pour enfants. Ouh loulou loulou, il y a un mec dans le chat qui a dit j'étais un streamer pour enfants. Ah frérot, je suis fier d'être un streamer pour enfants alors, hein. Ça me dérange pas. Hein. Je suis un streamer pour enfants. Merci mon ref. En vrai c'est pas une insulte, hein. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Les gens qui critiquent comme ça, c'est pas des vraies critiques ça. Dis-moi une vraie critique. Yo, non, moi j'ai un chat. Un chat aussi c'est bien, mais il y a des chats, ils sont un peu comme des yinches. Il y a des chats, ils sont en mode chien. Mais en vrai, un chat, ça s'en bat un peu les couilles de toi, non? Je pense que ça s'en bat un peu les couilles de toi. C'est quoi ton historique, Inox? Ah, je te montre pas, frérot. Je suis en navigation privée, là, sur le PC. Je te montre pas. Je te fais un don, mais je suis un rat, que 2 euros. Non, mais merci, Mathéo, merci, ça fait plaisir. Merci, Christian Autier, pour ta donnée. Merci. Putain, j'ai hâte de jouer, là, les gars. J'en peux plus d'attendre, là. Ça fait je sais pas combien de minutes j'ai lancé le live, on n'a même pas fait une game. 35 minutes, on n'a pas fait une game. J'ai un chien depuis septembre, je suis trop content de l'avoir, c'est le plus beau des cadeaux. Inox, je te... Ah merde, j'ai pas vu ton message, mon ref. Moi, j'ai un patou des Pyrénées. C'est quoi ça, mon ref? Merci, Loïc. Je connais pas patou des Pyrénées. Voilà, pour 50 000... Ah, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Merci, Crouton Fendi. Moi, j'ai un chien, il s'appelle Boss. Frère, dis-moi comment faire. Je fais éclater au Uno. Frérot, dis-moi comment faire. Je fais éclater au Uno par ma meuf et ma belle-sœur. Merci, Mika. J'ai pas compris ta question, mon ref. Je suis pas un joueur pro du Uno, en tout cas. Moi, je joue pas au Uno. Je passe pas par quatre chemins. Ça rentre direct. Pardon, j'ai 39 ans et je regarde tes streams. Merci, mon ref. Ça fait plaisir. Les gars, j'ai un couple. La dernière fois, je les ai rencontrés. J'étais à Bordeaux pour tourner une vidéo. Et j'ai rencontré un couple qui vient de me voir. Fait, mais un couple de 23 ans. Il vient de me voir. Fait, ouais, on regarde tes vidéos tous les soirs. T'es live. On regarde. On est là et tout. Et en mode, je me suis dit, c'est sûr que quand t'es un couple et que tu regardes mes lives sur la télé ou quoi. C'est sûr, il y a déjà une fois, il y a des couples, ils ont baisé sur mon live, c'est obligé. J'étais à deux doigts de dire, vous avez déjà ken sur mon live. Je me suis retenu parce que je me suis dit que c'était un peu déplacé. Mais je mets ma main à couper, il y a déjà un couple qui a ken. Je sais pas s'il y a des couples là qui ont déjà ken sur mon live. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui a déjà bandé devant ma tête. Merci Jordan pour ton sub, merci, ça fait plaisir mon frérot. Merci beaucoup, ça fait plaisir. 4 minutes les gars et on peut jouer. J'ai trop hâte, merci White, merci Jordan pour ton sub. Merci Lilian, bientôt 5 millions, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu, ça fait plaisir. 23 ans c'est pas vieux, non ça, 23 ans c'est jeune, c'est mon âge. Inox t'es un bon, voilà, merci Cabs, merci mon ref, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est vous les bons, c'est vous êtes des bons. Ça fait plaisir les gars, merci, merci à tous ceux qui sont là. T'es mon idole, ah frérot, en vrai je suis comme toi, hein. Y a pas de idole ou quoi. Hein. Faut pas m'idolâtrer, je suis un petit con qui fait des vidéos dans sa chambre. Hein. Bon, plus dans ma chambre maintenant, mais t'as vu. Il y a plein de jeunes qui disent, ouais, c'est inadmissible, Paris-Roubaix à la fin. Les jeunes n'ont plus d'éducation. Non, en vrai, ça pouvait être dangereux à la fin de Paris-Roubaix, les gars. Mais il y avait plein d'aigris en mode, voilà, la communauté, nanana. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent trop me voir parler et tout. Mais c'est vrai qu'à la fin de Paris-Roubaix, c'était quand même un sacré bordel. Et qu'on m'a dit que ça pouvait être dangereux. Du coup, j'ai dit, bon, on arrête, machin. J'aurais kiffé voir tout le monde et faire des photos avec tout le monde, mais à la fin, c'est parti trop en couille. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est parti. Hey, c'était la fin de la vidéo, c'était Bienvenue à Zombieland, The Walking Dead, tous les films de zombies. Merci beaucoup, Matix. Bah, on verra peut-être plus tard. Grosse dédicace, Kobe, c'est mon chien. Bah, grosse dédicace à ton chien. Ça fait plaisir, grosse dédicace à lui. T'as vu le sérieux Exterminer les Arabes? T'as vu la série Exterminer les Arabes? Ah, j'ai pas vu. Merci, White, pour ton sub. Wesh Shadad, comment ça ça va, tu te rappelles Raya, toujours Noah, merci mon ref, ça fait plaisir. Tu sais pourquoi ils ont enlevé les buts? Non, je sais pas du tout. Merci Lovrot, ça fait plaisir. Bonsoir, je te regarde avec mon fils Nolan, ça fait plaisir. Ah ouais, tu me regardes avec ton fils? Salut à la famille alors. Désolé, je me suis trompé de touche sur mon stream deck. Ok les gars, 2 minutes 20. 2 minutes 20 et on peut jouer, putain, enfin. Je t'adore frérot, moi aussi je t'adore. Merci, je t'adore. Pour les nouveautés, merci Crouton pour d'être là, ça fait plaisir. T'as une anecdote sur Paris-Roubaix? Get la M3E46 CSL. Je connais, j'ai déjà vu Thibaut. Merci mon frérot. Merci Alex pour ta donate. Une anecdote du Paris-Roubaix? Bah non, à part le fait qu'à la fin c'était un film de zombies. Alors sinon j'ai rien d'autre. Mais c'était trop bien, ça m'a fait plaisir de vous voir. Il y avait une ambiance de baiser. Les gars, j'ai dit salut la famille, là, t'as dit une vraie intro là. Il s'est dit ok, mon fils regarde plus ses lives à lui là.
Lui, plus jamais je l'emmène devant ses lives. Merci Silco pour ta donate. Ça va ou quoi? Merci à tous ceux qui sont sur le live. J'espère que vous allez bien, que vous passez un moment. Est-ce que malgré le fait qu'on joue pas et qu'on papote, vous passez un moment avec moi, ça vous fait du bien, qu'on se retrouve tous ensemble, ça me fait du bien d'être avec vous. J'ai envie de me branler. Merci Silco pour ta donate. Coucou mon ref, ça fait plaisir. J'ai refait ta minia FAQ pour Gispé. T'en penses quoi? Je regardais après jouer. Je regarderai après. Merci mon ref. Mon serpent était de 17 cm. Est-ce que c'est bon? Bah ouais, 17 cm, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Merci Sainey. J'ai eu une carte Google Play pour mon anniversaire. Oh, ça me fait penser à un youtubeur, ça. Et je vais te faire des dons. Le pauvre Sainey. Merci mon ref. Eh les gars, Sainey, il m'a fait une donnée de 20 euros. Ça veut dire, imagine la tête de Sadaron. Sadaron, elle arrive, elle lui dit, ouais, tiens, je t'offre 20 euros, tu pourras t'acheter ce que tu veux sur Google Play. Il arrive, il va sur YouTube, il fait, yo Inox, j'ai acheté une carte Google Play, je te la donne. Il vient de me donner sa carte Google Play. Merci mon ref Sainey, t'es un crack, je t'aime. Mais t'aurais pas dû me la donner, gros, t'aurais pu t'acheter ce que tu voulais. Merci Daniel. Oui, toujours, on te regarde ensemble. Merci Loveroth. Ah, donc tu regardes avec ton fils. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'espère qu'il connaît cette petite musique, musique classique. Code Forlan et des bananes. Ah ouais, lui, comment il date sa mère. 13 cm, mon serpent, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah frérot, la moyenne en France des serpents à domicile, c'est 13. Hein. Je pense pas que c'est plus haut. Hein. C'est 13 ou un truc comme ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, on voit que tu démènes pour nous pour proposer du contenu varié et travaillé. Merci. Bah merci, merci. Franchement, ça me fait plaisir que tu le remarques. Et voilà, ça me fait plaisir. Je te fais des gros bisous. T'es une craque. Et vous êtes tous des craques. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. C'est parti, les gars. Oh putain, mais non, mais c'est... Non, c'est pas possible, c'est un troll, c'est un prank. Non, c'est un prank. Rassurez-moi, c'est un putain de prank. Merci Kayla, hein. Merci Axel. Merci Sanei, t'as un crack. Merci Velettini. C'est un prank là, y'a pas écrit 28 minutes là. Mais c'est pas possible, mais putain. Frérot, 26 minutes, 28 minutes pour jouer à Fortnite sans build. Y'a même plus de build en plus. Ah ouais, frérot. Et on fait quoi, nous, maintenant, 28 minutes, frérot? Relance ton jeu, mais ça changera rien, on va attendre encore plus de temps. Attends, mais les gars, j'ai une question. Là, si j'attends 28 minutes, ça va pas me relancer une file d'attente, on est d'accord? Non, relance surtout pas. Relance surtout pas. Relance surtout pas. Moi, j'ai attendu 3 heures. Non, mais les gars, non, mais moi, je voulais live sur Fortnite. Non, mais là, vous pouvez pas me dire qu'on va pas live. T'en penses quoi de Skrilla, le rappeur? Je connais pas, Valentin. Gros big up à ta fille, Kayla. Kayla, merci beaucoup. Gros big up à ta fille. Gros dédicace à Dania. Merci beaucoup aussi, ça fait plaisir. Change l'heure du PC, mais ça marche pas, ça, les gars. Changer l'heure. Relance ton jeu. Depuis 10h du matin, j'attends. Non, mais non, les gars, non, s'il vous plaît, me dites pas ça. Bon, bah voilà, quoi. Je viens de me mettre en couple et toi aussi. Moi, non, pas encore. Et Inox, calme-toi, frère. Bah, les gars, j'ai le seum. Arrête l'application, relance. Mais j'ai peur que ça reset tout. Merci, Jordan. Merci. C'est quand tu viens à Toulouse, il y a ma soeur, mec. Non, mais frérot, attends. Il y a un mec qui m'a dit, Inox, c'est quand tu viens à Toulouse, je veux clairement que tu quittes ma soeur. Non, mais... Mais les gars, vous êtes en roue libre, c'est pas possible, vous êtes en roue libre. Merci Noah, merci beaucoup Alexandre, c'est motivant, merci pour ta vidéo. Grosse dédicace à tout Madagascar, merci Antonio. T'es mon idole, merci Sainey, t'es mon crack aussi. Joue un autre jeu, relance, relance, ça a marché. Vous me jurez qu'il faut relancer? Est-ce que vous me jurez? Soyez gentils les gars. Me dites pas, je relance et au final, on est dans la merde après. Relance ton jeu. Fais-moi confiance, relance. Mec, t'en as, ils me disent relance pas, relance. Merci Fanox. Relance, fais-moi confiance. Il me restait 3 heures, j'ai relancé, il me restait 5 minutes. Non, c'est faux, j'ai...
relance ton jeu. Je te jure, voilà, je te jure. Ah, si t'as dit voilà, je te crois alors. Ah, si t'as dit voilà et que ça me nique le jeu, là c'est pas bien du tout. Je vous fais confiance. Là, j'ai confiance. Inox et moi, tu check mon court-métrage sur Ulule. Je regarderai après le chat, après le live, mon ref Black Sheep. Merci Fanox. Donc je quitte. Hein. Relance, relance. Joue à GeoGuessr en attendant. Merci Séné, il faut pas relancer. Putain, Séné, il me donne une donnette, il me dit relance pas. Ne relance surtout pas, relance pas. Non, non, jamais, relance pas. C'est pas vrai. Putain. En vrai, relance, continue comme ça. Mais en fait, s'il y a des gens, ils me disent relance. Écoute-moi, j'ai avancé l'heure de 30 minutes, ça marche. Mais les gars, si je change l'heure du PC, ça va pas marcher. Voilà, relance. J'ai juré relance. Moi, il me restait 3 heures, il m'a resté 1h30. Relance. Mais en fait, je sais pas qui faire confiance. T'en as, ils me disent voilà, relance. T'en as, ils me disent voilà, moi, ça a duré 2 minutes. Jure, voilà, relance. Et pourquoi il y a des gens, ils me disent relance pas alors? Voilà, c'est faux. Mais voilà, mais alors, il y a des mecs qui disent voilà, c'est vrai, voilà, c'est faux. Oh, je suis censé croire qui là? Il y en a deux, ils se contredisent là. Ça veut dire, il y en a forcément un qui jure là et qui jure de la merde. La vie prend du temple. Oh putain de merde. Oh non, 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 non. Attends, je regarde s'il y a un commentaire. Inox, t'inquiète pas, normalement ça sera pas vraiment 28 minutes. À un moment, ça va s'actualiser et ça va te mettre le vrai temps. Bah oui, frérot, mais frérot, ça m'a mis 28 minutes, j'ai re-attendu 28 minutes. Relance, voilà. Bon, allez, vas-y, je fais confiance. Allez, tout le monde dit relance, c'est bon, je vais faire confiance. Les gars, tous ceux qui... Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Hein. Les gars, si vous m'avez dit relance et qu'il y a écrit une heure, ça va mal se passer. Mec, si j'ai relancé et que j'ai fait de la merde, les gars, ça sera de votre faute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si là, il me reste 2 minutes, je suce tout le chat. Je fais une vidéo, je suce le chat. Oh! Ça marche? Attends. Oh putain, attends. Oh! Je te suce! Il écrit 2 minutes! Il écrit 2 minutes 50! Oh là 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 là! Je te fais des dons jusqu'à la fin. Merci Séné, t'es un crack, merci Sélina! Les gars! Wow! 2 minutes 38. Eh merci! Eh merci les. Tous ceux qui ont juré là! Et merci ceux qui ont dit relance. Applaudissements dans le chat. Un max d'applaudissements, vous êtes des cracks. On a gagné 20 minutes. C'est monstrueux. Voilà, j'ai bien fait d'écouter la communauté. Il faut être à l'écoute de la communauté. Il faut pas écouter tout le temps, mais de temps en temps, il faut écouter la communauté. Et je vous ai écouté. J'ai pris le risque de me faire niquer. Et comme quoi dans la vie, faut prendre des risques. Voilà, dites-leur le chat, montrez-leur. Il nous reste 2 minutes. Je les mange, moi. Alors là, par contre, si ça reset, je suis la plus grosse salope de France. Je me prends des concombres dans l'anus jour et nuit. Si là, je dois attendre 30 minutes. Jour et nuit, je me les prends. Regarde bien. Oh là là, 1 minute 51. Si là, ça me remet 30 minutes, je me prends 10 concombres dans l'anus. Merci Axos pour ta donate. Merci mon frérot. Merci Remzax. Merci frérot, ça fait plaisir. Allez. 1 minute 38, hors de question que ça relance. Merci Selim. Non les gars, est-ce que ça va relancer ou pas? Est-ce que ça va refaire un compteur ou pas? Merci Philippe, ça fait plaisir, merci beaucoup mon frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu préfères ta meuf ou ta maman? Les gars, ça c'est un dilemme de baiser. Imagine, vous préférez votre meuf ou votre daronne? Non, bah non, en fait c'est pas un dilemme de baiser. Tu préfères ta daronne, non, c'est logique. C'est pas un dilemme de baiser en fait. Tu préfères toujours ta daronne à ta meuf. Mais imagine ta meuf, t'es avec elle depuis 10 ans. Et on te dit, soit ta daronne, elle meurt, soit ta meuf, elle meurt. Oh, le dilemme de baiser. Je crois que je meurs. Je meurs pour pas faire le choix. C'est trop dur. Non, en vrai, je tue ma meuf. Non, en vrai, c'est facile à dire, mais je pense... Ouais, non, je sais pas, c'est dur en vrai. En vrai, je pense que ta daronne, elle voudrait pas que tu tues ta meuf. En fait, c'est bizarre. Non, mais ça, c'est des dilemmes. Ah, les baisers. Vous tuez qui? Non, non, c'est trop baisé. Oh, c'est trop baisé. Merci, Alexandre. Tu viens quand sur Besançon? Je sais pas, mais je viendrai, t'inquiète, mon frérot. Je te suis depuis tes 1500 euros à Noël.
Il y a 4 piges. Ça fait plaisir, mon ref. T'es un crack. Merci de me soutenir jusqu'au bout. Tu ressembles grave à l'auteur Ma Grosse Bite. C'est quoi ça? Merci, Sainaï. Merci, mon frérot. La meuf, il y en a. Ma meuf, il y en a d'autres. Il a dit, je tue ma meuf, il y en aura une autre. On le baiser. En vrai, c'est vrai que la daronne n'en aura pas d'autres. Mais imagine, ta daronne a 80 ans et ta meuf, elle a ton âge. Donc ta daronne, elle va mourir dans 3 ans. C'est soit tu tues ta daronne ou soit tu tues ta meuf. Et ta meuf, t'es avec elle depuis 10 ans. Mec, c'est quand même un dilemme de baiser. Si ça... Let's go! On peut jouer, les gars! Let's go! Voilà! Et là, y'a pas de bug. Alt, machin. Alors là, si mon PC crash, je suce toutes les bites de France. Voilà, merci, je préfère. Putain de merde. Enfin, on peut jouer. Merci à tous ceux qui ont attendu, les BG. Ça fait plaisir. Enfin! Let's go! Et la technique. Tous les rebeux, là, qu'on dit, voilà, relance. La tête de homme, vous êtes des génies. Tous les rebeux qu'on dit, voilà, relance, vous êtes des génies. Grâce à vous, on a économisé 20 minutes de on se fait chier. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Let's go. Let's go, je me prendrai pas des concombres dans les fesses. Voilà. Mais attends, mais les sauts comme ça, c'est abusé comment c'est trop stylé. Hein. C'est trop baisé, frère. Moi, je kiffe là le truc quand tu sautes. Là. J'ai l'impression mon perso, il est plus loin. Alors peut-être c'est une impression. C'est quoi cette arme? Ok, il y a du recul de ouf, revolver, on le connaît celui-là. Ok, mitraillette, on la connaît. Pompe, on connaît. Ok, ça c'est bien ça. Ok, vous allez me guider sur les armes de toute façon, on va s'échauffer. On va essayer de faire un top 1 pour la reprise de Fortnite là. Hors de question que je fasse pas top 1. Est-ce qu'il y a des nouvelles villes? Oh oui, putain, ils ont changé pas mal de trucs. C'est quoi le truc rouge et le truc bleu là? Ah, faut que vous m'expliquiez. Ok, c'est Tilted ça? Oh, alors attends, c'est baisé ça. Oh, c'est trop baisé, j'ai envie d'y aller. Je crois que c'est Tilted, les gars. Alors, j'ai un bouclier. C'est quoi ce bordel? Alors les gars, c'est plus Fortnite, là. C'est un autre jeu. C'est quoi, ça, hein, C'est quoi le bouclier que j'ai, frère? Aberrant. Ah bah, c'est aberrant. Il y a un dirigeable en haut de Tilted. Aberrant. Ils ont mis les répulsifs. Qu'est-ce qu'ils sont bons. J'aime beaucoup ce genre de choix. Alors attends, c'est quoi le truc 50% là? Ok, il y a un boisson. Oh, le saut de baiser que j'y ai fait. Ok. Bouclier. C'est un bouclier. C'est des zones de guerre. 50 HP de bouclier. Donc dès le début, t'as un bouclier de 50 HP. Donc c'est-à-dire t'as 250 HP au début. Par contre, ça me fait bizarre de courir là, hein, comme il court. Hein. Oh putain de merde. Je suis mort. Première game, je suis mort. Je l'ai enculé. Oh, je l'ai eu. Je suis choqué. Je pensais pas l'avoir. Alors, je comprends pas, mon bouclier il se reset. C'est quoi ce bordel? T'as de la vie infinie? En gros, 50. T'as plus de vie. C'est un bouclier. Quoi? Attends, mais attends. Les gars, je suis en train de tilter. T'as un bouclier infini sur... Oh, c'est de la frappe. Ah, c'est comme il n'y a plus de build, ils ont mis ça. D'accord. Ah oui, ils en ont dans la caboche. Ça me fait quoi, ça? Ça me fait vision nocturne. Je sais plus, ça fait quoi, ça? D'accord, ok. C'est un bouclier infini. D'accord, c'est de la frappe, sa mère. Du coup, comme il n'y a plus de build, ils ont fait ça. Là, maintenant, t'as 190 de vie. Pourquoi tu casses tout? Il n'y a même plus de construit. Ah mais oui, ça sert à rien en fait, il n'y a plus de construit. Merci, j'ai 4B. Ah, en fait là, ça va être vraiment le skill à l'état pur. Mais en fait, c'est trop bien qu'il n'y ait plus de build. Ils sont où, les mecs? Là, c'est tu mets toutes tes balles dans le corps, t'as gagné. En vrai, moi, ça m'arrange. Hein. Ok, un mec. Oui, il y a un mec là. Il peut...
ça joue strat, c'est dard. Ah ouais, c'est trop dard, les gars, y'a pas de build. Vous aimez bien, vous? Eh, je trouve, ça pète sa mère. Ça pète sa mère, je trouve. Je kiffe tard les ouf. Attends. Je suis ultra concentré dans la game, là. J'ai envie de gagner ma première game. Si je me concentre, je peux gagner ma première game. Tu peux grimper? Comment ça, c'est Spider-Man, le machin? Comment ça, tu peux grimper? Mais attends, mais c'est trop skillé, j'adore. Ça veut dire si tu mets toutes tes balles, t'es le meilleur. J'adore. Ouais, ouais. Bof. Non, c'est mieux avec du build. Bah en vrai, c'est dard pour les mecs qui sont un peu en retard sur le jeu. Parce que du coup, attends. Ça permet vraiment de développer ton skill pur et dur. Il se reset quand le bouclier? Le bouclier qu'on a? Oh, c'est de la merde, ça. Oh, je suis mort. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Ok, première game. Là, c'était la game où je voulais capter un peu le délire. Mais là, prochaine game, il y a moins qu'on fasse top 1, là. Gros, merci Silco, on va essayer d'escalader et tout. Oh, les gars, je sens que c'est dard en vrai. Le fait qu'il n'y a plus de build, j'aime bien, moi. C'est un deuxième Apex. Les gars, en vrai, c'est plus Fortnite, quoi. Il n'y a plus de build, mais... Pour remplacer le build en MM pour 9 jours, il n'y a plus de build. Les construits, build, c'est skill. Ça, c'est juste de l'aim. Bah, moi, pour moi, le build, c'est skill. Mais quand t'es un mec qui joue plus à Fortnite tous les jours, le fait de pas avoir de build, ça t'arrange. Parce que les mecs sont trop forts en edit et tout. Donc c'est trop dard. Apex, il n'y avait pas de légende. Vous trouvez que ça ressemble à Apex légende là? C'est mieux sans les construits. Non, en vrai, par contre, sur le long terme, je préfère qu'il les construit. Mais par contre, je trouve que ça change de ouf. Et pourquoi ils ont enlevé les bulles pendant 9 jours? Il y a une raison ou il n'y a pas de raison? Dites-moi s'il y a une raison. On va tester les tanks et tout. Là, je vais aller un peu partout. Là, je voulais capter les mécaniques et tout. Bon, les armes, j'ai un peu le seum qu'ils aient mis des armes comme ça. Genre, j'aurais bien aimé qu'ils remettent les armes comme avant dans Fortnite, mais ils les ont pas remis. Mais franchement, le fait de pas build, ça fait toute une nouvelle stratégie de jeu. Genre, je sais pas comment ça va se passer en fin de zone et tout, parce que du coup, t'as pas de build. Peut-être t'as des items où tu lances, ça te fait des coffres devant qui peuvent te cacher. Attends, on va aller où? On va essayer d'aller à un autre endroit pour tester un peu. On va aller là. Y a plus Spider-Man. Ah, y a plus de Spider-Man, je pense. Et là, ça, c'est mon shield qui se met. À cause de l'histoire. Ok, c'est juste l'histoire. Y a pas de raison particulière, quoi. C'est par rapport à l'histoire. Ok, ok. Ouais, on l'a vu, le mec qui a enlevé le build, là. Ok, c'est juste 9 jours. Ok, alors, on va aller dans le dirigeable. On va essayer d'y aller. Je vous promets pas qu'on en ressortira vivant. Je vais essayer, mais... Y'a un mec qui m'a tiré dessus. Ah, c'est les bots qui m'attaquent. Ah ouais, c'est baisé, les bots ils t'attaquent de ouf. Ah ouais, ça se tape fort là-dedans. Y'a quoi dans le dirigeable? Y'a un truc spécial pour qu'il... Y'a quoi, les gars, dans les dirigeables? Pour grimper sur les builds. Comment on grimpe? Comment on grimpe? Mais sûr, on peut grimper sur les murs, mais c'est Spider-Man. Attends, j'ai envie de savoir comment on grimpe. Ça se tape là-haut, en fait, là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je prends le coffre, il y a des gens qui se tapent là-haut. Je vais me mettre en heal bien. Ok. Bien vu tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, le pouce bleu. Ça fait plaisir, c'est méchant. Où les mecs? Y'a un mec qui me tire dessus là, c'est un méchant. Mais il est ultra puissant, le bot. Mais il est trop fort, le bot, gros. C'est pas un bot, ça, les gars, si? Putain. Mais c'est un mec ou un bot, ça?
Ok, je me tire. Je sais pas si c'était un bot qui me tirait dessus, mais je suis mort. Ok, non, c'est bon. J'ai rien dit, je suis peut-être mort. Ok, c'est bon. Je me heal. Ok. Y'a un mec qui va me rush, je pense. Je vais essayer d'escalader les murs. Je vais finir mon start bien. Dès que j'ai fini mon start, tranquille, je vais escalader les murs. On va tester. Les gars, aujourd'hui je vais en top 1. Qui y croit dans le chat au top 1? Ça sert à plus rien de casser les arbres du coup. Elle me casse les couilles la musique des bots. Il y a un mec dans la ville, hein, pour faire Bellec. Je sais qu'il y a un mec. J'entends un coffre. Il est là. Parfait, on prend ça. Ça c'est quoi l'arme? Ok. Putain, elle tue cette arme là. Ok. Je pense qu'on va garder ça. Ça. Là, mes armes sont bien ou pas, les gars? J'arrive pas à connaître les armes encore. Je pense que la hog est pas ouf. Merci Yaya pour ta donnée. Salut, tu as reçu les dessins qu'on a fait? Merci Ryan. C'est quoi les dessins que tu m'as fait, mon ref? Merci Tennis. Merci Yaya. Merci Eteni. Merci Slico. Attends, on va essayer d'escalader. Alors, comment on escalade, les amis? Tu sautes et tu maintiens espace. Ok, vas-y. Je rêve. Attends, je rêve. Hein. Ce que je viens de voir, je rêve. Attends, déjà, il y a des bots. Ça me casse les couilles. Ils sont trop forts, ces bots de merde. Comment je fais pour courir vite, là, comme tout à l'heure? Oh, c'est horrible, les bots. Pourquoi il y a des bots partout? Attends, mais attends, on peut escalader? Mais c'est trop baisé, les gars. Non mais... Attends, c'est plus Fortnite là. Putain, par contre les bots ils sont trop cheatés hein. Faut les patcher hein. Je le dis hein. T'es ma frère, il me court dessus et tout carrément. Il m'a fait peur ce bâtard, fait chier, il m'a fait trop peur. Prends la couronne. On flex. Ok, je garde le poisson les gars, on va essayer de trouver des potes. Ils ont remis les C4, d'accord, ok. Ils ont remis C4. Moi je me tire, je suis en zone de combat, je crois. Il y a la guerre, en fait c'est pour ça, ok. Ok. Franchement, pas mal, hein. Moi j'aime bien. Il y a l'air d'avoir des bonnes mécaniques. Le fait qu'il n'y ait plus de construction, bah. Ça m'arrange parce qu'il y a des mecs qui étaient vraiment chauds à la fin avec les constructions. Moi je me démerdais un peu, t'as vu, mais comme je jouais plus beaucoup, bah. C'est vrai que c'était plus pareil. Et même en termes de streamhack et tout, si ça me streamhack, bah. Ça me streamhack pas en mode il vient et build de ouf. Ça me streamhack dans la pampa et le mec qui a le meilleur shoot a gagné, t'as vu? Franchement, vous mettez combien sur cette mise à jour là? Mais alors, moi je suis choqué le bail, les refetons, de ça là. Ah là, je peux pas escalader ça par exemple. Ah si là, je. Oh ouais, non, c'est trop pissé. Tes mains. Oh, cool, tu peux escalader. Oh ouais, c'est trop. Le Spider Inox, on avait dégusté sur Insta. Merci Ryan, non, j'ai pas reçu, tu l'as envoyé à Webedia? Je crois pas que c'est... C'est quoi ça? Alors attends, j'ai envie de tester ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ça, les gars? Ça sert à quoi ce que j'avais? Attends, y'a un coffre là. On va le taper. On va se le prendre, parfait. Ah, je sais pas, ça sert à quoi là ce que je viens de prendre. Si quelqu'un peut me guider. Oh. Merde, j'ai pas la zone. Putain. Ok, heureusement il y a une voiture. Attends, je vais couper la musique. Yeah, yeah. Et la, 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 au-delà des limites. Saute dans le vide, tu meurs pas. Comment ça, tu meurs pas? Pour réparer tes voitures. D'accord, pas mal, ok. Ça répare les véhicules. Ok, comment j'ai un tank, les gars, maintenant? J'aimerais bien aller chercher un tank. Comment on a un tank? Oh, il y a un truc rouge là-bas. C'est quoi? Un colis? Me dis pas, c'est un colis. Parce que là, ça ressemblerait vraiment à PUBG ou...
C'est quoi la lumière rouge? C'est une étoile? Moi je veux un tank, les BG. Guidez-moi pour avoir un tank. Un tank. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Vous voulez qu'on lève jusqu'à quelle heure, les gars? Moi frère, je compte pas, hein. Bah oui, mais ça sert à rien de prendre du biche. Pour au moins, on va live jusqu'à minuit, un truc comme ça, non? Attends. Il y a encore Spider-Man? Ils ont laissé Spider-Man? Ah, je crois qu'ils ont laissé Spider-Man? Non. Ils ont pas laissé Spider-Man. Je crois pas quand même qu'ils ont laissé Spider-Man. Ah non, c'est juste ils ont laissé l'étoile. Ils ont pas laissé Spider-Man. Ok, je pensais qu'ils avaient laissé Spider-Man. Ok, j'ai encore mon... Ah, mon endurance. Ok, je vois ma barre d'endurance. Ça, faut l'économiser pour quand il y a un mec, en fait. La barre d'endurance. Il y a un tank à Tilted. Ok, les gars, est-ce que vous pouvez me dire le plus près de moi où je peux avoir un tank, les BG? J'aimerais bien qu'on chope un petit tank, là. Hein, pour tester un peu. Oh, attends. Il y a des mecs qui tirent. Oh, wesh. Je crois que c'est là-dedans, les tanks, non? Dans ça, il y a des tanks, non? Attends. Il y a des tanks, là, les BG? Je pense qu'il y a des tanks là-dedans, non? Ça m'a l'air d'être dans ça, hein. Ah non, c'est pas dans ça. J'aurais mis un moment à couper, il y avait un tank ici. Ok, c'est pas ici, les tanks. Si tu fais top 1... J'avais plus de balles. J'ai envie de sucer une bite, pardon. J'avais plus de balles, je l'aurais atomisé, putain! Les gars, on n'a pas regardé si j'avais des balles, fais chier. Wesh! Il s'est construit un mur? Oh putain, ok, ok, bon. Ok, j'ai capté. Allez hop, c'est bon, là les gars, on va faire des bonnes games. Donc, tu peux construire des murs. Donc, les trucs par terre, ça sert à construire des murs pour te protéger. Ok, 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 c'est bon. Bon, j'avais plus de balles, sinon je l'aurais enculé. Ok, j'ai même pas téléchargé la nouvelle saison. Ok, les gars. On va aller à un autre endroit. Dites-moi un endroit où on peut direct prendre un tank. On prend un tank et on atomise tout le monde. Parce que là, je suis en train de découvrir. Là. Je suis en train de découvrir. Et franchement, le fait qu'il n'y ait pas de construction et que tu puisses jouer vraiment un V1 arme, ça, je trouve ça trop d'art. Je trouve ça vraiment d'art. Donc j'ai vraiment envie de faire mon top 1 mérité. Et le truc du mur, là, faut en garder pour la fin de game. Pour être un V1. Faut en garder, ça. Ok les gars, c'est bon. Bon par contre en fait c'est Warzone quoi. En fait le jeu change de ouf là. Même le fait de courir comme ça. Ils ont fait plein, vraiment en vrai c'est des mécaniques qui sont stylées, ça change de d'habitude quoi. Est-ce que le fait de l'endurance c'est une mécanique qu'ils vont garder tout le temps? Parce que c'est vrai que ça peut perturber mais par contre tu cours giga vite quoi. Rocky Reels. Ok alors attends c'est où? Ah mais je sais pas c'est où Rocky Reels moi. C'est ici Rocky Reels? C'est où les tanks les gars? Il y a des tanks à Toulouse, merci Noah. Tilted? T'as des tanks dans toutes les zones où t'as des avions. D'accord, ok. Bon bah on va aller celle-là. Il y a forcément un tank. Merci Doug pour ta donate. Et il est où le tank? Dans l'avion? Je comprends pas. Bravo pour Paris-Roubaix. Merci mon ref, merci à tous ceux qui ont vu la vidéo. Ça fait plaisir. Tous ceux qui s'abonnent à mon Insta et tout, merci qu'on vu mon post Insta aussi et tout, ça fait plaisir. Ils sont les tanks du coup. Ah je le vois, ok parfait. Il y en a un là. Mais tout le monde va sauter dessus, non? Ah ouais, il y a un tank là. Ok, mais tu le prends pas comme ça? Ah si, là le mec là. C'est un bot ou c'est un mec qui est dedans? En fait, faut tuer le bot. Faut tuer le bot et tu prends le tank. Ok, on va essayer. Ok, donc là, le mec a le tank. J'espère qu'il va pas se barrer avec. Il l'a enculé. Ah, il l'a enculé. Il l'a enculé. Devant nos yeux. Bah attends, mais c'est trop cheaté en fait, le tank. Ah, mais je peux pas monter en haut. Comment je le tue le mec dans le tank les gars?
Comment je prends le tank maintenant qu'il est dedans? Merci Allison. Ok, un coffre en bas. Ah oui, là ça pose problème. On peut pas prendre le tank là. Je peux pas le récupérer si je veux. Il est en train de tout niquer sur son passage, frère. Comment je le prends? Il va forcément descendre. Merci Ryan, t'inquiète, il va me le donner quand je le vois, je pense. Lundi. Va dessus. Attends, je vais essayer de lui péter à son tank. Faut buter le mec par la trappe orange. Faut sauter dessus. Rentre avec lui. Vas-y, je rentre avec lui. Je vais l'atomiser. Je vais lui péter à son tank. Je suis mort. Oh putain de merde. C'est la guerre. Faut vite que je monte. Oh putain. Il va m'allumer. Il va m'allumer ma grosse race. Il va me défoncer ma race. Je monte tout en haut. Le chat a max de flammes pour récupérer le tank. Attends, hop. Oh putain de merde, il veut ma peau. Il est où l'autre qui me tire dessus là? Alors lui, je vais l'atomiser. Il y en a un autre en bas. Je l'entends. Attends. Oh les gars, c'est trop baisé, je kiffe. Ouah. Une balle. Oh non! Mais mes armes, elles sont jamais chargées, putain, les gars! Oh, là, en fait, faut vraiment penser à charger les armes. Hein. Parce que là, si tu charges pas tes armes, comme t'as plus de build, c'est mort. Le pompe tambour, mais gros. En fait, mes armes, elles sont jamais chargées, sinon je l'encule. Les gars, je sais que je le défonce si mes armes, elles sont chargées. Merci Vipar, merci Titoine, merci Allison. Je te regarde au lieu de One Piece. Oh, ça fait plaisir. C'est ton portable qui bug, Tom. Péta le tank. Vas-y, eh, faut que j'arrive à prendre le tank. Faut que j'arrive à prendre le tank. Mais est-ce qu'en début de game, il est vide ou il y a un bot dedans et faut le tuer? Putain, fais chier. Enculé. Chaque fois j'ai mon arme, je suis en train de stresser là, à mettre la, le truc là. Bonjour, je suis gentil, mais il faut m'envoyer. Attends, alors lui, il m'a envoyé un message. Bonjour, je suis gentil, mais il ne faut pas m'ennuyer. Propriétaire du monde, vraiment, continue comme ça. Les gars, des fois, il y a des mecs, ils m'envoient des commentaires, je comprends rien. Merci mon ref, c'est gentil. Non, on peut plus build les gars, c'est fini. Fortnite comme on l'a connu n'existe plus. Non, en vrai dans 9 jours on peut build. On peut build, donc vous inquiétez pas. J'ai encore le réflexe de vouloir build moi. Pour casser le tank d'un mec, tire sur les chenilles. Ok. Mais le problème c'est que si je casse son tank, je peux plus y aller moi. J'ai pas envie de le casser son tank. Donc les gars, c'est quoi les zones rouges et les zones bleues? Si je comprends bien, les zones bleues, il y a pas de bottes de merde. Et dans les zones rouges, il y a des bottes de merde. Les bots font vraiment chier les gars. Ils m'ont l'air vraiment chaud.
On va à la maison et je te redis ça. Merci beaucoup, mon ref. Merci à tous qui sont là, les gars. Ça fait plaisir. Au début de la game, il faut buter des bots de tank. Bon, alors attends. Là, faut aller à où il y a un dirigeable pour avoir un tank. Donc, là, à Tilted, on va pas aller à Tilted tout de suite. On va essayer de retourner à Rocky Reels. Là. On va essayer de reprendre le tank, mais faut bien spawn. Faut vraiment bien spawn. Mais le tank est trop cheaté, gros. Hein. Tu peux tuer n'importe qui sur la map. Parce que comme il n'y a pas de constru, tu peux niquer tout le monde. Je vais essayer de faire un spawn de ouf. Il est où le tank là? Vous le voyez? Je le vois pas moi. Ils m'ont arnaqué, il n'y a pas de tank. Il spawn aléatoire le tank, les gars? Ah, je crois qu'il spawn en aléatoire, fait chier. Il spawn en aléatoire. Je crois qu'il spawn en aléatoire. C'est aléatoire, les gars? Ouais, je crois, hein, parce qu'il n'y en a pas là cette game. Regarde, là, lui, il a pas de build, tu vois. Ça veut dire si je l'atomise 3 shots, il est mort. Oh là 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 là, les gars, dans la voiture. Donc, quand il est pas dans la voiture, j'arrive pas, mais quand il est dans la voiture, je lui mets une balle. Parfait, on a un kill. En termes de heal, on est très bon. C4. Il y a moyen de faire des trucs cool avec le C4 en game. Il y a moyen de s'amuser avec le C4, les gars. Joue avec Gotha. Je sais pas s'il joue là, s'il live en ce moment. Je crois qu'il s'entraîne pour la Zenlam. Je pense pas qu'il joue. Hop, on prend ça. Parfait. Il parle de toi sur Skyrock, hein? Comment ça on parle de moi sur Skyrock? Qui parle de moi sur Skyrock? Merci Will pour ton sub. Ça se passe au sport ma couille, ça va et toi mon ref? Bah ouais, ça se passe, hein. Je continue la muscu, hein. En détente, tu connais, hein. Ok. Pour l'instant, on est tranquille. J'essaye de pas trop faire le con. Il y a un sniper. Je sais pas si le sniper est bien. J'ai pas testé. Attends, hop, je vais prendre ça. Sur la colline. Il y a le tank sur la colline. Oh. Vous avez des yeux. Vous avez des yeux. Incroyable, les gars. Incroyable. J'avais pas vu, putain. J'espère qu'il y a personne qui va me le péter. Hein. Ça me fait peur le bruit là. Ça parle de moi sur énergie. Oh, va sur Skyrock. Comment ça se parle de moi? Ils disent quoi sur Skyrock? Oh, les gars, on a un tank. C'est trop baisé. C'est quoi les touches? Tirer le canon, viser thermique. Ah, merde. Alors là, bébé. Alors là, bébé. Alors là, t'inquiète pas que je vais me lâcher. Hein. Ah, mais du coup, comme tu peux pas bulle, tu peux monter comme ça. D'accord, ok. Ah, il y a un mec là-bas. Oh, les gars, on va l'atomiser, bébé. Oh là, c'est trop baisé. Oh, c'est trop baisé. J'ai eu du mal. Il bougeait pas. Attends, je peux récupérer son stuff comme ça ou pas? Non. Il croit que je l'ai pas vu, mais regardez, regardez. Regardez, il croit que je l'ai pas vu. J'arrive t'écraser. J'arrive. Mais attends, mais pourquoi ça le tue pas? Mais attends, c'est trop dur. Enculé. Putain! Ah, il est où ce bâtard? Il m'a niqué! J'ai jamais de balles.
Ah, oh, il se fait backstab. Putain, les gars, j'ai jamais de balles. C'est pas possible, gros. Gros, mais comment il m'a pété à mon... Attends, mais les gars, il est trop nul, le tank. Il est trop nul, les gars. Pourquoi, quand je tire, ça lui tirait pas dessus? Mais attends, les gars, pourquoi, quand je tire, ça lui tirait pas dessus? Oh, il m'a fait drôle. Il m'a niqué. Il m'a volé mon tank. Il m'a volé mon tank sous mes yeux. Je me suis fait péter mon tank et après il m'a enculé avec. C'est quel bail ça? Bon, ok, j'ai capté tous les petits trucs. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire top 1. T'es sur Skyrock. Mais comment ça, je suis sur Skyrock, les gars? Mais ils disent quoi sur Skyrock, les gars? Ils disent quoi sur moi? Est-ce qu'il y a des messagers qui peuvent me dire ce qu'ils disent sur moi à Skyrock? Ah, frérot, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, les gars, c'est bon. Maintenant, j'ai capté, on va faire des top 1. Là, c'est bon. C'était la reprise de Fortnite, j'ai pas joué depuis un mois, voilà. Pardonnez-moi d'être nul. C'est bon, maintenant, on va être bon. Faut bien viser. Là, j'ai capté un peu toutes les mécaniques du machin. On peut plus build, on peut plus machin. Maintenant, va falloir jouer intelligemment et faire top 1. Terminé. Terminado. T'es sur Skyrock? Mais ouais, mais vous me dites sur Skyrock, mais personne me dit, ils disent quoi sur moi? Que de la merde, ils disent. Sur Skyrock, ils parlent de toi, ils sont en train de dire que ton follower, c'est ta mère. Ok, c'est du troll. Ok. Ok, les gars, je vais... On va tenter Tilted. On va tenter de faire un beau top 1 à Tilted. C'est parti. Ils disent que t'es éclaté. Ah, les bâtards, en fait, ils sont en train de me terminer sur Skyrock. Vas-y, c'est parti, les gars. Objectif top 1, on lâche rien. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Merci, Laios. Mais moi, j'y crois, hein, pour ton sub. Merci, mon BG. Moi, j'y crois au top 1, les gars. En vrai, de vrai, je suis pas défaitiste. J'y crois. Hop, on prend ça. Nickel. On prend ça. Ça. Ok, on est bon. On prend ça. La WAP, elle est bien, les gars. Le snipe, il est bien ou il est éclaté? S'il est éclaté, ça sert à rien que je le prenne, en vrai. Pas le prendre pour rien. Ça, cette arme, elle est éclatée. Oh, j'ai mon chat de live qui a crash. Attendez. Je relance. Je relance mon chat de live. Hop, parfait. Gros dédicace Nour Joy. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Ça me fait grave plaisir. Je vous fais des gros bisous. Ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche encore plus. Et pourquoi je prends le build? J'avais zappé. Chaque fois, je zappe. Que ça sert à rien. Ils sont en train de t'allumer sur Sky. Vas-y, les gars, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Qui m'allume, c'est pas grave. Ok, alors, on a la WAP, le pompe. Je vois personne. Oh. Y'a les dégâts de chute encore ou pas, les gars? Y'a les dégâts de chute? Ok. Y'a un coffre là. Logiquement, je peux monter là-haut si je vous écoute. Ok, je peux monter. Je peux monter là-haut encore. Ok, mais par contre, faut casser le mur. Ok, parfait. C'est quoi ça? C'est bien ce gun ou pas, les gars? On va le tester. Elle me l'a pris. Oh, il est retombé dans le bat. Ok, faut que je le rush. Il est là, il est juste là. Dans l'escalier. Au-dessus. Il est où? Eh, hey, comment on enlève la musique des bots, les gars? Eh, me rend ouf. Putain, j'ai failli le tuer. J'entends le mec, hein. Je l'entends.
ça, faut à tout prix que je le prenne. Mais là, hop. Je vais monter tout en haut, on va check. J'entends des mecs en fait. Je suis sûr, il est au-dessus. Ok, il est pas là. Il manque une autre mécanique. Y'a quoi d'autre que j'ai pas découvert sur la saison, les gars? Oh, je suis trop une merde. Oh non. Oh le mec chiant. Alors lui, faut que j'atomise. Il est où? Il est où? Je l'entends. Et je l'entends. Il est où? Mais les gars, c'est trop baisé. Mais je l'entends. On dirait qu'il est à côté de moi. Je suis fou. Attends, il y a des bugs de son. Vous l'entendez à côté de moi ou pas? Validé. Et confirmez-moi parce que je suis fou. Je deviens fou. Il est là. Je l'entends. Mais là, dessous de moi. Mais... Ah mais tu peux pas dégainer le gun direct. Oh je suis trop nul. Oh je suis trop nul. Oh putain, en vrai c'est dur. En vrai c'est vraiment dur. Oh je suis trop nul. En fait les gars, je pensais que tu pouvais sauter et direct tirer. Il y a eu combien de secondes de latence les gars? En fait je suis trop con. Je vois il est dans la salle, je me dis je vais rush, je vais sauter et je vais l'allumer aux pompes. En fait tu peux pas. Tu peux pas l'allumer direct, il y a une latence, ça m'a baisé. Après il avait qu'à me suivre et me tuer. Putain. Ok. Ok. Allez, concentration, faut qu'on fasse un top 1 les gars. On n'a pas le droit de faire de la merde. TKT c'est pas grave. En vrai c'est chiant. C'est chiant parce que faut que je capte tous les trucs. Et même le son là, j'ai pas compris où il était le poteau. Il était sous l'escalier. Je l'avais pas vu, putain. En fait, je crois qu'il se planquait. Je crois qu'il se planquait, je passe à côté de lui. Fais chier. 2 secondes. Ah ouais, pendant 2 secondes, tu peux pas tirer en fait. Ok, donc en vrai, cette technique, elle est éclatée. Faut pas que j'arrive sur un mec et je saute, quoi. Tu peux ouvrir une porte en l'air. Le truc, tu peux le mettre sur les voitures. Ok, les gars. Bon, alors ça veut dire il faut que je stack des trucs pour me protéger. Ça va le faire. Je te kiffe, t'es le meilleur youtubeur. Oh, ça fait plaisir. C'est toi le meilleur, ça j'aide. Merci, Layo. GG pour le Paris-Roubaix. Merci, grosse dédicace, Nour, Joy et Marco. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. Pas grave, faut camper. Y'a des gens qui campent depuis cette saison ou pas? Non, quand même pas. Ok les gars, c'est parti. Swipe Station. Snipe Station. On va aller à Rocky Hills. On va faire notre bail. Tranquille. Tu peux enfoncer les portes pour rentrer. Va dans une porte en sprintant. Ok. Jure, on peut enfoncer les portes. Ça, c'est pas mal. Ok, on peut enfoncer les portes et tout. Prends le mur. Donc là, y'a le tank. Normalement... je crois que c'est Rocky Hills ici, non? Ouais, c'est Rocky Hills. Ici, il y a le tank sur la montagne, mais ça sert à rien de le prendre maintenant. Là, il y a un pompe. Il y a un mec qui va le prendre, bah ouais. Là, il y a un mec.
Et moi je vais aller ici, il y a deux coffres, c'est bénef de ouf. Ok, il y a du monde là les gars. Il y a du monde. On peut faire un masterclass. On peut faire pas mal de kills là. Lui là il se protège. Lui, il y a moyen de le tuer lui. Dommage il se barre, il y aurait peut-être eu moyen. Allez, là c'est top 1 les gars. C'est top 1, un maximum d'encouragement. Des flammes dans le chat. C'est top 1 celle-là. J'entends un mec je crois. Sauf que je suis fou. Oh oui. Entends-moi. Merde, c'est pas lui. Meurs. Attends, je suis en train de me fight contre un bot là. Il est en train de me ridiculiser le bot ou je rêve? Ok, c'est bon. J'ai géré ça. Il y a d'autres mecs qui vont venir. Je viens de voir tes deux vidéos 24 heures en voiture, j'ai kiffé. Bah merci mon ref. Oh putain, il est là! Oh le con. Cours Inox, par toi. Ok, on se barre. On va aller fight d'autres mecs. Putain, et les bots, ils sont tellement chauds. Je suis chaud. Cette arme-là est bien ou pas, les gars? Sur 10. Donnez-moi une note de cette arme. Ok, il y a un coffre là, on va le prendre. Forcément d'autres mecs hein, dans la ville. Oh c'est un bot, j'ai eu peur. Ça m'a fait bader. Hein. Ok, éclaté. 19, ok elle est pas mal alors. Il y a du stuff là-bas. Incroyable. Allez masterclass putain. Ça me rush. Merde j'ai jeté. C'est un bot qui m'a attaqué là ou pas? Je la récupère. Mais attends mais le bot ils ont la dalle les bots les gars. Je leur ai fait quoi moi? Y'a un mec. Me casse. Il y a des mecs partout. Attends mais les bots j'en peux plus hein. Attends faut que je calme le truc là. Let's go les gars! Comment je coupe le bruit des musiques là? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est où? J'en peux plus des musiques. Ah les musiques des bots, j'en peux plus les gars. Faut que je coupe. Son, musique, bah effet sonore, dialogue, discussion vocale. Son. C'est où les gars pour couper les musiques? Je les ai coupées moi. Oh les musiques des bots les gars, c'est infâme. Ah mais les bots ils sont trop chauds. Ok les gars, on est bien dans la game. On a... C'est un bot que j'ai entendu? Ou c'est un mec? C'est un mec. Let's go! Let's go! Oh le karma. Oh le... Merci Nils. Merci Salzès. Oh le karma putain il était violent. À peine j'ai eu le temps de célébrer ma victoire, je me suis fait enculer.
Ah ouais, non, mais c'est chaud. Tu peux pas, Inox, c'est effet sonore. La musique des bots, c'est effet sonore. Hein, on peut pas. Frère. Reste appuyé avec ton pompe, effet sonore. Les effets sonores, je vais les baisser. Hein. J'en peux plus, gros. Oh, le karma. J'étais là, je commençais à célébrer mon but. Il m'a stoppé direct, ce bâtard. Oh, ah, les gars, il m'a arrêté net. Il m'a arrêté net. Merci, Sajed. Oh, fais chier. Bon, alors, déjà, on va faire un truc qui va faire du bien à tout le chat, je pense. Effet sonore, 13%. C'est bon, j'en peux plus, là, de leur musique, là. Ah, mais du coup, j'entends plus rien. Bah non, bah non. J'entends plus rien quand je baisse les effets sonores. C'est général, non? Bah non, c'est pas général. Général, faut laisser à 100. Bon, bah, y'a rien à faire. Hein. Y'a rien à faire. Mon ex m'a quitté et grâce à toi, tu m'as redonné le sourire. Force à toi, mon ref. Un maximum de cœur pour le poteau qui a perdu sa chérie. C'est que c'était pas la bonne, frérot. C'est que c'était pas avec elle que tu devais venir finir ta vie. Donc t'inquiète pas. Wesh. Wesh. Attends, je suis en train de faire quoi, là? C'est un bug, ça, ou c'est réel? Les gars? C'est normal, ça? Essaye top 1 pour nous. Les gars, je vais tenter le top 1, les gars. Je vais tout donner pour le top 1, le chat. Vous inquiétez pas. Je vais pas abandonner. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un top 1. Si je fais un top 1 aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde. Ça finirait le live en beauté. Ça serait magnifique. Bon, on finit pas le live tout de suite, mais... En tout cas, le live serait parfait s'il y a un top 1. Hors de question que je fasse pas top 1, les gars. Il y a quoi comme stuff là-haut? Pas oufissime. Là, on va prendre ça. Merci SWZ pour ton sub. Merci, mon gros BG. Regardez le move. Retenez bien. Je suis mort. Oh putain, j'ai volé. Ils sont où les mecs? Je les entends. Ils se tapent. Oh la campouse. Oh la campouse. Oh putain de merde, y'a un tank. Ah là ça craint. Ah ouais, y'a des petites campouses, les gars. Essayer de tuer le mec sur le tank. Ah wap. Attends. Pilote automatique. Pilotage automatique. On est deux dans le tank ou quoi? Eh, on est deux ou pas, les gars? Je vais l'enculer. Je suis mort. Je voulais mettre mon heal, mais tout le monde me tire dessus, frère. Putain, c'est trop dur. Sans build, c'est trop dur. J'aurais peut-être dû prendre le bateau, mais il m'aurait enculé. Merci Fabien, merci mon BG. On force une porte. Bah les gars, c'est dur, j'ai du mal hein. J'ai du mal.
Ok. Les gars, cette game c'est le top 1. Sinon je me prends 10 concombres dans le cul. Je me prends 10 concombres dans le gros fiac si la prochaine game je fais pas le top 1. Donc retenez bien le chat. La tête de homme, j'aurai des hémorroïdes à vie si je fais pas top 1 sur la prochaine game. Je vais tryhard comme never. Par contre le tank c'est trop cheaté frère. Quand le mec arrive et t'allumes au tank, tu peux rien faire frérot. J'ai voulu l'auto-niquer dans le tank, je pouvais rien faire. C'était trop dur. Après on a rien, il y a du build. Mais j'ai envie de faire top 1 sans le build. J'ai envie de faire le top 1 en mode nouvelle saison. Top 1 sans build. Mercenaire. Frérot, là, c'est bon. C'est bon, là c'est top 1. C'est top 1, frérot. Y a pas de chichi, frérot. J'espère juste que je me fais pas attaquer par des bots. Je serais capable de perdre la game à cause de bots, les gars. Je vous le dis. Je serais capable de me faire enculer à cause de ça. Après, tilted, c'est vrai que c'est risqué. Il y a pas mal de monde. Je vais aller à Conécrose mes couilles. Ça clip, fais attention. Tu peux garder bien ton clip au chaud parce que je vais faire top 1. Tu dégoûtes, mouche-toi. Désolé, mon ref. Désolé. Dans 9 jours, tu pourras construire. Non, mais faut qu'on fasse top 1 sans construire. Gosiscas, mon roche. Merci, mon ref. On va y arriver de toute façon. Je viens ici car mon mec devait m'appeler à 21h et m'a toujours pas appelé. Ah ouais. Imagine frère. Frérot. Imagine. Ta meuf elle te dit bonne nuit. Donc tu te dis oh j'ai... elle vient d'arrêter de me parler et tout. Et en fait elle te dit bonne nuit mais elle parle à un autre mec après toi. Genre toi tu dors tranquille. Tu te dis oh elle m'a dit bonne nuit, elle est trop gentille. En fait elle passe tout le reste de sa soirée avec un autre mec sur Snap. Oh putain, c'est trop baisé. Oh. C'est le cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. Ça, franchement, c'est cauchemardo. Oh non, il y a encore un tank, mais ils cassent les couilles avec leur tank. Je pense ça. Imagine, alors ça, les gars, c'est un film. C'est digne d'un film d'horreur. Je pense que c'est un film d'horreur. Je pense, les gars, c'est un putain de film d'horreur. Si ça t'arrive, je te donne toute ma force. Ça c'est poisson chelou ça. Horrible frère. Et là tu penses la meuf elle parle qu'à toi, en fait dès que tu dors elle parle à un autre mec. Ambiance trop noire. Ambiance trop bizarre. Attends. Y'a un mec ici. Interdiction de mourir. Sinon. Ça compte pas, on refait. Ça compte. Oh comment j'ai perdu mes couilles direct. J'ai dit ça compte pas. Ah les gars. Mes couilles elles se sont envolées. Oh putain il me rush carrément. Tatao. Y'a le poisson. Regardez ces quatre. Oh, ces quatre de baiser. Oh le C4 de baiser. Viens à ma place. Oh le C4 les gars, il était magnifique. Mais ça c'était un move de call off hein. Oh le C4. Je suis encore choqué. Je suis encore choqué du clutch qu'on vient de lui mettre. Ça les gars c'est beau. Ça j'aime beaucoup ce genre de jeu. Très stratégique là. Oh le C4 dans la gueule. J'ai envie de pisser maintenant. Je sais pas pourquoi. On va prendre ça, une potion. Il est où mon C4? J'ai plus. Ouais, il a disparu. Ah ouais, mon C4 a disparu. Merci pour les GG les gars. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. C'est le moment. Oh ouais, ça booste la porte. Trop baisé. Ok, parfait. On prend ça. Ça on vire, ça on est bon. Ok.
Je vais pas boire la pote tout de suite. Ça on prend pas. Ok. Bon, alors là faut localiser s'il y a des mecs dans la zone. Il y a un mec dans le tank? Ou c'est un bot? C'est un robot dans le tank, donc je peux le prendre encore. C'est pas fini le tank les gars. Maintenant il y a forcément des mecs dans la ville. Oh putain. Oh là comment il m'a frôlé. En fait les tanks, les bots ils cassent les couilles. Frérot on est en MM, c'est... Pourquoi on joue contre des bots? Les bots plus forts que les mecs, je comprendrai jamais. Frérot, Théma, comment il me vise trop bien le bot? Ah frérot. Je vais monter là-haut, non? Je vais monter là-haut, je vais me casser en mode aérien. Je pense qu'on peut. Voilà. Merci Gougaz, merci mon ref. Je me casse. Je fais quoi les gars? Je prends le tank ou pas? Je prends le tank ou pas? Est-ce que je prends le tank? Oh y'a un mec. Faut que je le fume. T'es mal. Ok il est là. Il m'a vu. Ouais mais ils ont dit ça me tirait dessus. Mais t'es mal le bot. Il est plus fort que moi. Oh il s'est barré, le mec. Il est monté. Oh non. Je vais l'enculer, c'est bon, c'est décidé. C'est décidé, je te défonce. Hop. Aïe. Aïe. Il y a encore un mec dedans. Je suis pas là, hein. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis caché. Attends les gars, il y a encore un bot dedans. Me dis pas, il y a encore un bot dedans. Il y a encore pas. C'est un bot, ça? Ou c'est un mec? Eh, je vais t'enculer. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer. Ça dégage. Oh oh oh. Il m'a fait trop peur. Oh il m'a fait trop bader. Les gars comment on mitraille sur le tank? Comment on mitraille sur le tank? Putain j'ai pas la zone. Faut que je me barre avec mon tank. Vite. On se casse. Ok, je me casse, il sert à rien. Mais pour la zone, du coup, l'endurance, ça flingue. Ok, GG les gars. GG ça. Ok, on est bon. J'ai la zone. Faut juste que je me mette d'huile. Deuxième place. Ok, faut se mettre en deuxième place. Oh, il y a du stuff là. J'ai peur que ça soit un piège. On va se mettre un medikit. Ça c'est une bonne game ça. Je le sens bien. J'ai pas un stuff taré ouf mais je le sens bien les gars. Ok. Le métal ça sert à se protéger, regarde. Tu vois, hop, et là je peux mitrer un mec. Tu vois c'est top. Ça faut qu'on le stack les gars. On peut en stack combien max dans son inventaire? Le poisson là il est bien ou pas ce poisson? Poisson légendaire. Il est insane. Il est insane ce poisson. Je vois tout. C'est trop baisé. Je vais aller fumer lui. Ah ouais mais c'est trop dur cette arme de loin elle est éclatée. Parfait ça, let's go. Allez, faut que ce soit cette game la bonne. Ok,
Ok, je fais quoi? Je joue avec quoi? Répulsif, ça peut me sortir de la merde. Les gars, dites-moi, faut que je prenne quoi? Est-ce que je les prends, les répulsifs? Ça va et toi, Lunatix? Merci, mon ref. Ok, fallait que je le prenne parce que je suis pas dans la zone. Que je les prenne parce que là je suis vraiment loin. Je vais prendre un bateau. Ouais, ça va le faire. Il y a un bateau, nickel. On prend le bateau, on suit le fleuve. Normalement ça le fait, les gars. Allez, les gars, c'est top 1 celle-là. Faut que je prenne les trucs pour me protéger, hein, sinon je suis dans la merde. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, les gars. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Ceux qui s'abonnent aussi. Et la cloche, je compte sur vous, merci les gars. Vous êtes des cracks, tous ceux qui sont dans le chat, je vous aime. Merci les BG. Ok. Go dans la zone. Go dans la neuseau. Y'a un mec là-bas, on s'en bat les couilles. On va prendre. J'ai pas d'arme à distance. C'est bien ça ou c'est éclaté sa mère? Wesh, j'ai jamais testé celle-là. Elle est bien? J'ai jamais testé elle. Je vais me casser sur l'île là. Je prends jamais les couronnes, les gars, j'en ai rien à foutre. Alors ça a l'air d'être quelque chose. J'ai envie de pisser. C'est Dar ça le chat, 10 sur 10. Ah ouais. Sniper. De ouf. Merci Dark Clover. Oh putain, elle m'excite celle-là. Alors celle-là, on va faire du sale. Elle est incroyable. Franchement incroyable, vidéo Paris Roubaix. Faut toujours croire en soi. Merci mon gars, t'es un crack. Merci, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je mets 20 sur 10. Elle est trop cheatée, frérot. Frérot, que ça touche. Rien que ça touche, frérot. Lui aussi, il en a une. Merci Paul. Lui aussi il en a une, faut faire Bellec. Ouais, je vais pas chercher la merde avec lui. Oh, elle est incroyable les gars. Pour sprinter les gars, c'est comme quand tu cours, t'as juste à de l'endurance. Et le bouclier il marche tout le temps les gars ou il se désactive à un moment? Ok, il y a des facochères là. Je sais pas si tu peux monter la montagne là. La tête d'homme les gars, les dards là. Top, j'ai des potions là. Merci Logan. Merci les BG. Est-ce que dans le chat vous croyez au top 1 là? J'espère que ça arrive dans mon dos là, je le sens pas. Surveille tes arrières, fiston. Je l'ai senti, putain. Je l'ai senti, j'ai un aura. J'ai un aura, dites-le moi. Dites-moi que j'ai un aura. C'est pas possible.
Je l'ai senti, il y avait un mec. C'est mon instinct. Let's go les gars, let's go. Ok. Je vois personne. Oh, y'a du stuff en bas. Stuff de baiser en bas, frère. Sniper en or. C'est bien ou pas le sniper en or? Sniper en or, c'est bien ou pas? J'ai pas de protection, ça craint par contre pour la fin de game. Ouais, j'ai l'arme thermique, vaut mieux que j'ai l'arme thermique. Hein. Ouais, c'est bien, non? Le top 1! Le top 1! Le top 1 pour Inox depuis 2 mois. J'ai pas fait de top 1. J'ai envie de pisser ça, mère. Il est où le colis? Je vais le chercher. Les gars, let's go! Top 2. J'ai envie de pisser sa mère. Oh! Oh putain! Oh putain! Oh! Oh le top 1 le plus facile du monde! Oh! Attends, comment il est mort? Oh! Comment il est mort le frérot? Bah les gars, premier top 1 de la saison. Je dirais même premier top 1 depuis 2 mois. Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Je sais pas comment j'ai fait top 1, mais il y a eu top 1. Ah ouais les gars, il me l'a donné. Attends mais what the fuck, il est mort comment? Ah ouais, lui c'était un mec frérot. Il devait être dans son tank, il a dû faire exploser son tank, je sais pas comment. Let's go les gars, top 1, ça fait plaisir putain. Ça fait plaisir. Voilà les gars, ça part de là. On l'avait dit qu'on avait le top 1. Bon, j'aimerais bien en faire un où il y a un vrai 1v1 à la fin en fait quand même. Merci pour les GG, merci pour tous ceux qui ont suivi cette game. Je viens d'arriver pile au bon moment. GG, est-ce que t'aimes bien la saison? Merci Sasuke, en vrai moi j'aime beaucoup. En vrai j'aime bien le fait qu'on puisse pas construire. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Si vous trouvez que ça nique le jeu, si vous trouvez que c'est dard. Moi je trouve que c'est dommage. Enfin, hey, mais du coup c'était la game du concombre les gars. C'est la game du concombre hein. Je me prends pas de concombre hein. Je l'avais call hein. Ah frérot, tout sauf des concombres et des hémorroïdes, j'ai pas envie. Ah non frérot, moi je trouve que c'est pas mal hein, le fait qu'il n'y ait pas de construit les gars, ça change de d'habitude. Et tu vois, des fois les mecs sont trop chauds parce qu'ils ont du shoot plus la construit. Moi j'aime pas trop, en construit je suis nul, du coup je préfère pas avoir de construit. Ça change en vrai, je trouve que ça change. C'est trop dard, c'est dard. Après ça va durer que 9 jours quoi, donc ça va pas durer énormément de temps. Retourne au salon parapluie. Ouais, il y a le parapluie. Tout à l'heure, il y avait un abonné qui était dans ta game. Ouais, bah, des fois, il y a des abonnés qui arrivent à join mes games, les gars. Ça a tout niqué, j'ai la haine. De quoi, le qui est plus de build? Personnellement, je trouve que c'est bien, mais ça gâche la base du jeu. Bah, la base du jeu, c'est quand même de construire. C'est pas faux. Après, moi, je trouve ça original qu'ils aient pris le risque
d'enlever les construits pour le début de saison. Tu vois, en mode c'est quand même baisé. Après en arène tu peux construire, donc t'as quand même un mode de jeu où tu peux aller faire tes construits, t'amuser contre des gens et tout. Je viens de finir ta vidéo par roublé, c'est incroyable mon frérot. Bah merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Les gars, qui a vu la vidéo? Vous avez kiffé? Je sais que la plupart d'entre vous l'avez, vous avez kiffé, mais en vrai moi aussi j'ai kiffé l'affaire. J'espère que le montage était bien. J'espère que vous avez bien kiffé. Ça m'a fait plaisir en tout cas de la faire. Oh chier, j'ai spawn comme une merde. Ok, j'ai une arme, c'est bon. On va le faire. Un C4. Vive la Turquie, on est là. Merci mon ref, ça fait plaisir. Merci Richard, t'es un boss. Merci Sasuke, merci QWERTY, merci Logan. Et on prend ça, ça, ça. Il y a le mec qui va casser les couilles avec son tank là. Je sais pas s'il y a un mec là-dedans. Ouais, y a un mec. Oh, j'ai loupé, quelle merde. Oh là, quelle merde. De toute façon, je serais mort, y a un mec qui arrive après. Ok, c'est la game d'après top 1. Généralement, elle est toujours nulle à chier. J'étais ému pendant la vidéo. J'ai pas tout vu. C'était pas un peu long, une heure? Parce que moi j'ai trouvé ça un peu long, le fait que ça soit une heure. Mais je me suis dit, si je raccourcis, vous allez vous rendre compte que c'est... En fait, si j'aurais fait une vidéo de 30 minutes, vous allez vous dire, ouais, c'est, ça passe trop vite, c'est facile. Tandis que le fait que ça soit long, pour vous, c'est pour que vous compreniez que pour nous ça l'a été. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai essayé de faire un truc pas trop long non plus. Mais une heure, c'est vrai qu'une heure de vidéo sur du vélo, ça peut faire chier les gens. J'ai eu peur un peu. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont kiffer une heure de vélo en train de me voir pédaler? Frérot, ça se trouve, ça va leur casser les couilles. Mais c'est vrai que j'espère que ça a pas trop fait chier le fait que ça soit un peu long. Non, parfait. C'était trop bien. Trop frais. Trop bien. Pas trop long. Parfait. Tu referas d'autres défis vélo? Ah, d'autres défis vélo, je pense pas. Mais d'autres défis, oui. Un poil long, mais ça a permis de se rendre compte de la distance. Bah ouais, je me suis dit, c'était trop court. Vous allez vous dire, ouais, c'est facile, en fait. C'était pas long. Va aux toilettes, frérot. T'es pas optimal pour gagner. Ouais, là, j'ai envie de pisser sa mère. Je vais y aller après. Je préfère 2 heures, c'est trop court, 1 heure. C'est immersif. Ah, ça fait plaisir. De toute façon, moi, les gars, je fais toujours des vidéos longues. En vrai, c'est mon problème. Il y a des abonnés qui ont dit, ouais, Nox, ton problème, c'est tes vidéos. Il y en a certaines, elles sont trop longues. Moi, j'aime bien. Je me dis que soit t'as envie de la regarder en plusieurs fois, ça te permet de la regarder en plusieurs fois, de te poser. Soit tu la regardes d'une traite, ça te fait comme un épisode Netflix de temps en temps. Là, la semaine prochaine, les gars, je sors une vidéo 24h, vous contrôlez ma vie. C'est parti en couille, les gars, à la fin. Mec, c'est parti en couille à la fin. T'es vraiment un chômeur. Pourquoi tu dis ça, mon ref? Je travaille tous les jours, mon ref. Je suis pas un chômeur. Merci beaucoup, Zili. Ça fait plaisir. Plus c'est long, mieux c'est. Oh là là, quelle bande de crack. T'es algérien ou t'es marocain? Non, j'adore le Maroc. Mais j'ai des origines algériennes, mais j'adore le Maroc. Moi, j'adore tout le monde, en vrai. J'adore toutes les cultures, en vrai, de vrai. Tout m'intéresse. Attends, je vais prendre ça. Les différences font la force de chacun. Et dans la différence, on est tous égaux. On est tous pareils, quoi. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des différences de religion, de couleur, de machin, de tout. Genre, il faut, tu vois. Je trouve que c'est bien. Et on est tous égaux, on est tous pareils. De culture. Tu vois, si tout le monde avait la même culture, ça aurait été nul. Le fait que des gens... Merde. Le fait que des gens ont des cultures différentes et tout, c'est dard. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve que c'est dard. Mec, ça serait nul. Tu vas dans un autre pays, c'est le même truc que toi. On est tous égaux. Désolé, pas égal. On est tous égaux. Hop, je prends ça. Hop, 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 hop. Tout ça, c'est top. Là, on est bon. On se met une potion. Hop, désolé, ouais, désolé pour mon français exorbitant. Les gars, vous le savez, je suis une quiche en français. Vous me connaissez, l'équipe. Hop. Hop, 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 je prends ça.
Hop, je prends ça, petit coffre. Ok. J'ai un stuff de merde, les gars. Il est honteux, mon stuff. Il me donne envie de la gerber. Est-ce que tu vas faire le ramadan? Non, je fais pas le ramadan. C'est le 2 avril, le ramadan. Putain, j'avais un concept sur YouTube, mais c'est tombé pile en même temps du ramadan. J'ai décalé ma vidéo pour les musulmans qui auraient peut-être pas pu regarder la vidéo. Vous vous rendez compte, les gars? C'est-à-dire, j'ai décalé ma vidéo de 1 mois parce qu'il y en a, ils avaient le ramadan. Attends, il y a un coffre là-haut? Oh, je pense qu'il y a un coffre. Qui fait le ramadan, là? Il y a pas de coffre. Il est où, le coffre, alors? J'ai entendu un coffre, je suis pas fou. Oh, il est en bas, je pense. Ouais, il est là. Ton niveau de français aberrant. Ah, les gars, j'ai un niveau de français de merde, en vrai, de vrai. Hop, prends ça, ça. Il y a des mecs qui se tapent pas loin. On va essayer de les enculer. Je pense que c'est là-dedans, non? Moi, j'aimerais bien avoir une mitraillette, là. Vas-y, je suis déjà passé ces cafés, hein. J'suis déjà passé une fois. Il y a pas de pont. Y'a rien là. Ah, y'a beaucoup d'abonnés dans le chat qui vont faire le ramadan. Hop, je prends ça. Force à vous, les BG. J'aurai le droit à chaque année, quand je mange en story ou en live. Inox, arrête de manger, on a le ramadan. Oh, attendez, j'ai juste envie de mettre une musique triste. Dans ma tête, mettez dans votre tête, mettez une musique triste. Vous vous en rappelez? Il y a pile un an, j'attendais 22h30 pour lancer mon live GTA. On était tous là le soir, pile cette date, à jouer à GTA tous les soirs pendant le confinement. Tous les soirs, des 6h de live, des 7h de live. C'était magnifique. Voilà, je voulais juste dire ça. Ça m'a fait un moment nostalgique. C'était il y a pile un an. Oh là 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 là, j'aurais arrêté le jeu. Carrément, j'aurais arrêté le jeu. Carrément, j'aurais coupé le jeu. En plus, j'ai un truc en or là, c'est trop baisé, frère. Alors là, c'est peut-être un... peut-être un deuxième top 1. Oh là là, mais je suis en train de... Mais gros, mais c'est quoi ce stuff de baiser début de game? J'adore. Ça nous manque. Ça nous manque. Tard à l'époque, ça me manque trop. Wesley. Mec, je suis dans le barrio. Ouais, bien Mario. Oh là là là. Ça fait un an, frérot. Ça fait que un an. J'ai l'impression que c'est il y a 2 ans. Oh lo 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 lo. Ah, ça nous manque les BG. Mais les gars, dans la vie, chaque chose en son temps. C'est la nostalgie, c'est trop beau en vrai, c'est trop beau. C'était trop bien tous les soirs quand on se l'a tué là, je me rappelle. Ah, c'était de cool en vrai. Attends, regarde. Mais ce qui était bien, les gars, sur GTA, c'est que j'étais un noob, en fait. C'est que j'avais jamais joué et tout, c'était la première fois. C'était trop drôle. Attends, il est où? Hors de question, il s'échappe. Hein. Putain, genre, il a réussi à s'échapper. Genre il s'est échappé là. Ah, il est là. C'est un bot ou c'est lui? Oh non, j'ai le seum, il a réussi à s'échapper le frérot. Oh non. Je suis tellement sensible que j'ai limite pleuré. Non, quand même pas. Non, mais c'était une bonne époque. Pourquoi l'épisode de la sirène? En juin je retourne voir Andrea là. Elle m'a dit "You miss me. I want to see you." Elle m'a envoyé un message, I want to see you, you miss me. Non, je connais pas ces cafés. Elle m'a dit, I want to come, nanana. MQ Andrea, les gars. Faudrait refaire ça vraiment BG, ouais. On le refera peut-être un jour.
GTA 6. Quand il y aura GTA 6, on refait. T'as un bon petit cul. En vrai, les gars, sur GTA, on faisait des dingueries. Hein. Attends, y'a un mec. C'est trop puissant. Le mec, il est dans chez ta couille. Mais c'est injuste! Avouez, c'est injuste, les gars! Je me suis fait défoncer, je comprends pas d'où! C'est injuste, j'avais la meilleure partie, les gars. J'avais la meilleure partie de ma game. Putain, Enoch, je vendais ce soir, t'as dormi sur un bateau. Ouais, j'ai dormi sur un bateau. Oh, c'est injuste. Non, you miss me, ouais. I want your com. Comment ça? Ma meuf habite aussi au Mexique. Jure. I want you come, ça veut dire je veux te voir. Ah, elle m'a dit you miss me ou je sais pas quoi, tu me manques là. Je ferai une vidéo avec au Mexique avec Andrea, ouais j'en ferai une. Bah Andrea elle va me faire visiter le Mexique. Je vous ferai un vlog. Le best date ever hashtag 2. T'as eu bac français? Bac de français les gars, j'ai eu 9. Non, à l'écrit j'ai eu 10, à l'oral j'ai eu 12. Je viens de venir, on peut toujours glisser. Ouais, tu peux toujours rien. Frère, tu peux faire quoi quand ta meuf, elle veut plus te parler parce que t'as fait une connerie? Alors, voilà. Là, moi, je conseille d'amis. Si ta meuf veut plus te parler parce que t'as fait une connerie ou quoi, si tu l'as trompé, t'es un bouffon. Donc ça, c'est pas pardonnable. Si c'est une connerie, un petit truc et tout, elle t'explique, elle t'engueule, tu lui parles pas, tu réfléchis, et tu viens la voir 5 heures après, ou un jour après, tu t'excuses. Base, la base des bases. Faut arrêter. Moi les gars, il y a des gens, j'en peux plus, c'est, ils ont trop d'ego. Jamais ils veulent avouer qu'ils ont fait une connerie, même quand elle est en tort. Alors, il y a un truc que je déteste, alors là faut parler, je vais poser les points sur les i. Les gens, il y en a, ils aiment trop faire quoi? T'es là. Tu t'embrouilles avec le mec. Tu mets ton ego de côté. Tu t'excuses. Tu niques l'embrouille. Il se passe plus rien, c'est bon, tu t'excuses, tu mets ton ego de côté. T'en as. Leur stratégie, c'est quoi? C'est quand ils sont en tort, ils sont tellement vicieux que tu t'embrouilles avec eux et ils te font passer pour l'enculé dans l'histoire. En mode, ils veulent tellement pas mettre leur ego de côté, ils te font culpabiliser. C'est pas ouais désolé nana. C'est non, c'est toi t'as fait une connerie alors que t'as rien fait, et ils arrivent à te faire croire que c'est toi qui es en tort. Du coup pendant toute la nuit tu cogites en pensant que t'as fait une connerie. Tu vois ce que je veux dire? Merci Chris. Non, je peux pas faire le ramadan comme ça. Faut être religieux et tout. Non non non, je me ferai pas un challenge, je fais le ramadan les gars. Merci mon ref. Non mais vous voyez ou pas ce que je veux dire le chat? Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un comme ça? En mode, il te fait culpabiliser. En mode, tu t'embrouilles avec lui, tu sais que c'est lui qui est en tort, mais non, c'est lui qui va te mettre en tort. Ah non mais ça frère, c'est trop. Ça les, là moi ça je peux plus ça. Ça c'est toxique, s'il y a des gens ils vous font ça. Oh c'est toxique ça. Ou si vous faites ça les gars, c'est pas bien. De faire culpabiliser les gens. Oh putain, sort de lui. Camper lui ce petit coco là, mais qu'est-ce que tu comptes? Merci Fage, merci mon ref pour ta donate. Mais t'es algérien Enox? Ouais mais j'ai déjà testé le ramadan mon ref. J'ai déjà testé une fois avec un pote au collège. Il pouvait, merde je suis mort, il pouvait pas ah c'était un stream hacker. Il pouvait pas aller à la cantine le pauvre, il était tout seul dans la cour. Du coup tous les midis je restais avec lui. Je restais avec lui. Ces gens là c'est des fils de chien. Il y a pas plus simple là, comme mot du coup. Fais chier, regarde c'est un stream hacker, il va quitter la game. Nul de faire ça mon ref. J'espère que ça va pas recommencer les stream hackers. Non 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 non. Je suis sorti de ce truc là. Merci Maël pour ta donate, merci beaucoup. Mon daron. Ah moi mon daron il a rarement tort moi les gars, mon daron. De toute façon, faut pas chercher à avoir raison avec ton daron. Tu dis oui papa et tu fermes ta bouche. Moi avec mon daron c'est oui papa, je ferme ma bouche. Merci beaucoup Maël, merci beaucoup. J'ai le bac de français oral demain. Force à toi. C'est
C'est des pervers narcissiques. C'est quoi ça, un pervers narcissique? Ça, j'ai jamais compris. Il y a des gens, ils parlent de pervers narcissiques, je sais pas ce que c'est. Alors, soit je suis un culte, soit je comprends vraiment pas ce que c'est, pervers narcissique. C'est quand tu t'aimes trop, tu te regardes dans le miroir. Pendant le ramadan, les gens peuvent pas manger. Ouais, pendant le ramadan, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Tu peux pas manger, tu peux pas boire. Enfin, tu peux, mais avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Et après, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Genre... Voilà, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Je pense à dire des gros mots, ça, c'est pas bien aussi. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Ok, je vais aller à Rookiris. Quand tu aimes faire du mal aux autres, c'est un pervers narcissique, ça? Ah ouais, non, ça c'est horrible. Si tu... Ouais, je vais à la réunion en avril, les gars, c'est sûr. Les réunionnais, là, qui sont sur le live, préparez-vous, les gars. Préparez vos ceintures. Je viens en avril. C'est sûr, c'est acté, j'ai payé mes billets. Pervers narcissique, c'est des manipulateurs. Ah ouais, ça fait flipper, ça. Ah ouais, c'est pas mon délire, ça. Pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est avec toi, c'est un chien, mais devant les autres, il a l'air cool. Ah, j'en ai jamais vu des mecs comme ça. Et est-ce que les pervers narcissiques, dites-moi oui ou non, les pervers narcissiques sont-ils, savent-ils qu'ils sont pervers narcissiques? Je te regarde en même temps et je prends ma douche. Merci Yann. Super cette info. T'aurais pu la garder pour toi. Ça en vrai, ça aurait rien changé à ma vie. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Merci Yann en tout cas pour ta donate. Mais je t'avoue, c'est un peu bizarre de me dire ouais frérot, je suis dans la douche et je regarde à ton live. Je pense à toi. Voilà, c'est ambiance bizarre mon frérot. Mais merci, ça fait plaisir. Et je vais prendre ça. Là, on est bon. Et y a pas d'autres trucs ici là. Pita wap, je vais pas prendre. Là, je pense qu'on va aller attaquer les gens. Je me désabonne, un pervers narcissique, c'est toi. Ah ouais, moi je suis pervers narcissique. Non, moi je suis gentil, frérot. Je suis pas pervers narcissique, moi, t'es un baiser. Non, ils le savent pas. Ah ouais, ils le savent pas. Ah ouais, non, c'est bizarre. Comment ça, ils le savent pas? Si tu lui. Wow! Mais si tu lui dis, t'es pervers narcissique, il va comprendre. Putain. Là, il rend fou lui. Il a trop la dalle. Attends, il y a peut-être des potions là-dedans. Ok, il y a pas. Hostler. Attends, je vais d'abord prendre ça. Non, t'es pas pervers narcissique. Voilà, j'espère. Hein. Tu es forcément un peu narcissique, mais pas pervers. Mais j'espère qu'on est tous un peu narcissiques, non? C'est pas mauvais d'être un peu narcissique, si? Non, mais en mode de s'aimer. Encore heureux que tout le monde s'aime, faut que vous vous aimez. C'est pas logique, imagine, tu te regardes, tu t'aimes pas. Comment tu peux aimer quelqu'un si toi-même tu t'aimes pas, frérot? Il faut s'aimer. Non, je sais pas, c'est bien d'être un peu narcissique. Bon, faut pas être narcissique à deux doigts dans le miroir, tu te pécho, bon, ok. Ah, ok. En mode, bon, il y a des limites. À te mettre torse nu dans le miroir et te regarder et dire, oh putain, je suis trop beau, machin. Bon, ok, non, il y a des limites. Mais je pense qu'il faut être un peu narcissique quand même, non? En mode de s'aimer soi-même. Ok, je prends ça. Moi, je m'aime pas. Frérot, faut que t'apprennes à t'aimer. Gros, il faut que t'apprennes à t'aimer. S'il y a des gens qui t'aiment, c'est que tu peux t'aimer toi-même, logiquement. Il faut que tu t'aimes toi-même. Narcissique et la confiance en soi, c'est différent. Ah ouais? C'est quoi la différence alors? C'est quoi narcissique? C'est pas bien? Non, faut s'aimer. Moi, je me kiffe trop, je suis BG et je veux me baiser. Quoi? Il a dit quoi le poteau là? Ambiance chelou, hein? Ok, parfait.
J'ai l'impression que t'arrives pas trop à t'exprimer, mais t'as un bon fond. Bah, j'ai des problèmes d'expression, en fait. Je suis pas dyslexique, mais j'ai toujours eu des problèmes pour m'exprimer. Moi, je te regarde dans mon bain. Mon bangala dépasse. Oh non, Johan, arrête-moi ça. Merci, mon vrai. Merci, mon frérot. C'est bizarre. Narcissique, c'est hard. C'est hard, narcissique. Narcissique, c'est faire savoir aux autres qu'on s'aime. Et est-ce que moi, vous me trouvez narcissique? Après, moi, je mets des photos Insta où j'aime bien comment je suis sur la photo et tout. Mais c'est moi de mettre des photos Insta, j'ai toujours fait ça, t'as vu? Après, je me considère pas en mode... tu vois, je me coiffe pas et tout, exprès pour faire des stories et tout, t'as capté? Moi, des fois, je viens de me réveiller, je mets des stories, t'as vu, je m'en bats les couilles. Je prends... en mode, je m'en fous qu'un mec me voit pas coiffé, t'as vu, dans les vlogs de Valouz et tout, j'en ai rien à foutre. Merde. Alors toi, tu vas pas me la mettre, frérot. Tant que je me heal, je vais te fumer. Attends, il est où? Ah, j'ai pas l'arme de ouf. Oui, mais c'est pas grave, c'est positif. Non, non, non. Ouais, pour moi, je pense pas... Je me pense pas en mode... En mode, t'as des gens... Par exemple... Attends. Il peut conduire, ça? Ah non, il s'est barré, putain. T'as des gens, par exemple, sur TikTok ou sur comme ça, tu vois, en mode... tous leurs TikTok, ils font torse nu dans la glace et tout. Voilà, ça c'est... Ils font ce qu'ils veulent, mais... On a capté, quoi. On juge personne, mais ça pour moi c'est narcissique, tu vois. Ils savent qu'ils font mal. Non, mais ça, c'est pervers narcissique, c'est pas narcissique du coup. C'est méchant, pervers narcissique. Inch'Allah. Merci, mon ref. Je ne l'ai pas trompé, on s'est embrouillé. Ça a été hoche, puis ça fait troisième fois, quatrième fois, être très sensible. Ah ouais, bah faut être doux avec les femmes sensibles. En vrai, c'est dur hein, quand t'as une meuf qui est sensible. Je peux pas dire grand chose sans vexer, sans forcer. Des fois tu veux dire des trucs mais tu la vexes. Faut faire attention quoi, les gars, faut faire attention. Reviens à BX, vous inquiétez pas, on va revenir à BX. Ok, on va prendre ça. Je vais changer ça avec ça. Ça je garde ça, ça peut être pas mal. Je regarde le stuff qu'il y a. Ouais c'est pas ouf, pas ouf, pas ouf. Pas ouf, en vrai on va prendre des greux. Voilà, carré. Ça se tire là-bas, on va aller voir les gars. On va monter là-haut. Je vais prendre le truc. Ok, parfait. On monte là-haut. Les gars, vous passez un bon moment ou pas, les frérots? Vous passez un bon live, les amis? Merci à tous ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus, qui mettent la cloche, qui s'abonnent. J'espère que vous passez un bon moment. Grosse dédicace Théo, mon frérot. Grosse dédicace Théo Goshi. Merci, mon frérot. Vas-y, je me casse. Il est là, le mec. Regardez, on va essayer de le tuer. On va monter dans la voiture. On lui met une tête. Elle a capté un sort. Il y a combien de vies, Pélo? Non, c'est pas possible. Non, mais je vais racheter. Mais comment c'est possible? Les gars, comment c'est possible? Il a autant de vie, je comprends pas. Et mon arme, elle est tout le temps déchargée. Putain, je suis trop con. Yo Inox, est-ce que tu pourrais faire un live talent, chaud? Et d'ailleurs, pourrais-tu te souvenir de moi? Enfin, essayer. GG Paris Roubaix. Merci, Backmods. Ça me dit un truc, ton blaze. Mais c'est quoi, hein? Talent chaud. Merci, mon frérot. Est-ce que t'as confiance en toi? Bon, je relance une game, les gars. Bah oui, moi, j'ai confiance en moi. Frérot, t'es obligé d'avoir confiance en toi dans la vie, frérot. Il faut avoir confiance en soi. Mais après, comme j'ai toujours eu confiance en moi, je sais pas ce que ressent quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. J'ai toujours eu confiance en... Mais tu peux douter de toi. Mais il faut avoir confiance en soi. Mais j'ai jamais eu
l'impression de pas avoir con. J'ai toujours eu facilité à faire le con et tout, à montrer aux gens et tout, parce que je m'en bats les couilles, j'ai confiance en moi, t'as vu. Mais je sais pas, ça fait quoi de pas avoir confiance en soi. J'aime pas les roues. Quoi? C'est la mec. T'es un ouf, toi. Tu penses quoi du mec qui a twerké dans les... Ouais, vas-y, frérot. Ah, me parlez pas de lui. Frérot, arrêtez de lui donner des millions de vues. C'est un plouc, lui, frère. J'ai vu ce qu'il a fait dans sa dernière vidéo, là. Parce que je suis tombé dessus. Frérot, lui, il va mourir, frère. C'est triste à dire, hein, mais il va se faire tuer, gros. Il fait trop le fou. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Il est malade, en fait. Mais en fait, dans sa vie, je crois, il est malheureux, lui. Je sais pas, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Lui donnez pas. Arrêtez de parler de lui, frérot, c'est que ce qu'il veut. Parlez pas de lui. C'est un plouc. La vidéo. Ouais, non, mais les gars, ne parlez plus de lui. Ne parlez pas de lui. Faut pas donner de la force à ce genre de con. Moi, je pense que tu vas regarder mon chat, mais tu vas venir à Monceau-les-Mines. Je suis déjà venu à Monceau-les-Mines, mon ref. Ah, frérot, je suis déjà venu à Monceau. J'ai pas confiance en moi, c'est la pire chose. Mais comment quelqu'un qui a pas confiance en soi peut gagner confiance en lui, le chat? C'est intéressant, en vrai. Parce que moi, il y a un mec qui me dit j'ai pas confiance en moi, tu veux que je lui dise quoi? En vrai, j'ai aucune phrase à lui dire. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir confiance en toi? Peut-être trouver ton talent. Tout le monde a un talent. Et quand tu t'épanouiras dans ton talent, je sais pas, si t'adores dessiner et que t'es fort, t'auras confiance en toi. Parce qu'il y aura des gens qui kiffent ce que tu fais. Si t'es fort au sport, bah il y aura des gens qui vont t'admirer. Ça va peut-être aider à prendre confiance en toi. Je pense que c'est pas mal, ça. Trouver une passion, déjà. Si tu vis sans passion, tous ceux qui me disent « Ouais, j'ai pas de passion », c'est impossible. Tout le monde a une passion. Peut-être que vous l'avez pas trouvée, mais je pense que tout le monde a une passion. Moi, ma passion, c'est les jeux vidéo. C'est une de mes passions. Mais ma vraie passion, c'est animer et tout, tu vois. En mode... faire en sorte que je peux divertir des gens et tout, ça c'est ma passion. Le graphisme aussi, c'est une de mes passions. Moi j'ai plein de passions en vrai. Rosika Scanel et Amani Akam et Lamia, merci beaucoup de me follow, ça fait plaisir. Je pense que tout le monde, c'est quoi votre passion? Vous avez une passion? Tout le monde a une passion, la musique. Moi aussi la musique, c'est une de mes passions. Ah, tu peux avoir plusieurs passions après. Et après, le but. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah le but, c'est que ta passion, c'est soit ce que tu fais plus tard. Si ta passion, c'est la mode, bah ça se trouve, tu vends des sapes de mode, c'est là. Ma passion, c'était live. Bah c'est trop gentil pour moi, je te kiffe. Mais, merde. Oh mais j'en peux plus, putain, j'ai mis 10 balles dans la tête avec mon pompe. C'est trop gentil, mais ta passion, il faut que ça soit un truc propre à toi, que c'est toi qui le développe, t'as vu? Attends, je relance, putain. Je relance. Venez, on se concentre, on essaie de refaire un top 1. Le handball, construire des Lego, One Piece, les animés, VTT, la moto. Toi, je me dis... Après... Faire un métier où t'es, c'est ta passion, c'est trop dur. Mais la bédave. Il y a un mec qui m'a dit ma passion c'est bédave. Non mais les gars, arrêtez. Moi c'est faire le clown, mais ça peine à rien. Ça mène à rien de faire le clown. Pas forcément en vrai. Faire le clown, ça te... Tu rencontres des gens et tout, tu vois. Tu développes ton esprit social, donc peut-être que tu auras des facilités dans le métier où faut être socialement bien avec des gens, t'as vu? C'est pas nul de faire le clown. Moi, j'ai fait le clown toute ma vie, frère. Et je m'entendais tout le temps bien avec les gens. Photographe, bah tu vois, ça aussi. C'est dur aussi d'en faire son métier, photographe. Hein. Ma passion, c'est Andrea. Alors là, frérot, va y avoir conflit d'intérêts. Grosicas Gauthier Lissette. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Chacun sa passion.
voyager, les jeux vidéo. Après le reste, je sais pas. Voyager, c'est ta passion. C'est dur de faire un métier dans le voyage, en vrai. Frérot, ma passion, c'est cracher sur le PSG. Moi, c'est une passion de merde, ça. Mon ref, trouve-toi un vrai truc. Moi, je suis en école de cuisine, c'est ma passion. Ah, la cuisine, c'est un beau métier. C'est magnifique, la cuisine. Streamer, le corps humain. Le corps humain, c'est ta passion? La SVT, corps humain et tout. Bah, tu vois, travailler dans la médecine ou un truc comme ça. Mec, j'ai combien de potes, les gars, qui me disent, je sais pas ce que je vais faire. Ils se mettent en école de commerce, ils savent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Je me dis, mais attends, t'as forcément un truc que t'as envie de faire. Merci, Edouard. Non. J'ai rien. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. T'as forcément un but? Non, je sais pas. C'est vrai que ça doit être dur quand t'as pas... quand tu sais pas ce que tu veux faire, de devoir faire un truc. Merde, j'ai fait un spawn de merde, les gars. Un spawn vraiment éclaté. Ok, je vais monter là-haut. Ma passion, c'est pH. Potentiel hydrogène? Ou ce que je pense? Ouais, je pense que c'est ce que je pense, hein. Bon gros film de cul. Parfait. Il est là-haut, mec. Merci, Tony. Pas oublié, le mec. Il doit être là-haut, non? J'ai entendu. Ouais, je sais pas où il est. Pour moi, c'est la chasse, mais je sais pas ce qu'il y en a qui sont contre. Et toi, ton opinion, s'il te plaît. Moi, je vais être honnête, mon ref. Frérot, je meurs de... Frérot, je meurs de GCO. Ah, ok, je suis mort de là-haut. Putain, les bâtards. Genre, ça met autant de dégâts, cette arme. Putain, venez, on fait une bonne game, là, j'en peux plus. Tu préfères KFC ou casser des culs? Bah, casser des culs, frérot. Des bons gros boules. Merci, Tony. Moi, honnêtement, hein, mon ref, tu fais de la chasse. C'est... Je comprends pas le... Frérot, moi je t'avoue, la chasse, j'adore les animaux, donc tuer les animaux pour le plaisir, c'est pas ouf comme passion. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais si vous avez des arguments, mais... Ah ouais, moi ça avoue, je t'avoue, c'est pas trop... Je peux comprendre les gens qui pêchent, même si... parce que des fois, il peut relâcher le poisson, machin... Ou peut-être c'est pour manger, machin, mais... Quand c'est la chasse pour vraiment tuer pour tuer... Ouais, je t'avoue, je suis pas pour, quoi. Frérot, le pauvre Bambi qui traîne dans la forêt et qui se prend une balle de fusil à pompe, qui a rien demandé... Ouais, je t'avoue... c'est pas mon délire, moi. Si t'aimes sachet, va sur les jeux vidéo. Non, mais en vrai, je connais pas trop ce délire de chasse et tout. J'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans, mais... Ouais, je suis pas trop pour ce genre de passion, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pourtant, la pêche, c'est un peu une chasse aux poissons aussi, mais... La pêche, c'est plus un truc que je peux comprendre, tu vois. De pêcher ton poisson, le faire au feu de bois, machin... Mais des mecs qui tuent des lions sans rien, des mecs qui tuent des éléphants, mecs qui tuent des machins pour aucune raison, frérot. Ah ouais, frérot, faut arrêter. La chasse, après tu récupères le lièvre et tu le manges. Oui, après il y a des différentes chasses. Moi, je peux pas m'aventurer dans ce terrain parce que je connais pas. Tu vois, je peux pas dire ça se trouve il y en a, ils font ça de temps en temps pour se nourrir machin dans j'en sais rien. Mais en mode tuer pour tuer et que l'animal il est mort pour rien, bah je trouve ça triste, moi. Genre tu vois, t'en as vraiment, c'est tuer pour tuer. Ma passion, c'est camionneur. Nique ça. Oh, j'ai eu très très chaud. Je regardais le chat, j'ai pas vu, il m'a attaqué. C'est quoi ça?
Ça, c'est vrai que les métiers de la route comme ça, il y en a plein qui kiffent. Dès que t'es dans ton putain de camion, gros bolide sa mère. Moi, c'est pas trop mon kiff perso. Mais c'est vrai que t'as, les routiers, ils aiment bien ça. Il y en a plein qui aiment. Non, là, ça, c'est important pour réguler la quantité nuisible des animaux. Bah, tu vois, il y a des chasses qui servent pour certains trucs. C'est pour ça que j'ai dit, je veux pas trop rentrer dans ce débat parce que je connais pas. Donc, je peux pas trop parler, je peux pas. Moi, je te parle de la chasse vraiment pour le plaisir, tuer pour le plaisir. Je comprends pas. Par contre, quand c'est. Quand c'est un truc où t'as besoin. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Mon rêve, c'est de travailler pour Winston. Comme ça, j'ai des clubs gratuits. Ok, chacun ses rêves, mon ref. Ma passion, c'est la gendarmerie. Tu vois, en vrai, il y en a plein qui ont des passions là dans le chat. Et qui n'a pas de passion? On en parle, mais qui n'a pas de passion? C'est plus intéressant. Attends, hop, je vais prendre ça. On va se mettre d'huile. Il y a un bidon d'huile qu'on va se mettre aussi. C'est que le mec avec son putain de tank va nous casser le ciboulon. Je le sens. T'en penses? Hop, 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 hop. Merci Lucas. Ah, moi, tout ce qui est politique et tout, j'en parle pas sur. J'en parle pas trop, les gars, parce que je suis pas assez informé. Moi, c'est flic. Tu peux me faire des tickets à Cédric. Grosse tickets à Cédric, mon ref. J'ai un flic il y a pas longtemps, il m'a reconnu. Je suis mort. Salut, mon ref. Ok, mon frérot. Attends, je vais prendre le bidon de heal là. Je sais pas où il est. Il est là. On va le prendre. On va se mettre du heal au calme. Mon rêve, c'est d'être youtubeuse. Ouais, c'est dur, les gars. C'est dur, mais faut pas lâcher. Mais faut toujours avoir une issue de secours quand tu veux faire ce genre de métier. Yo, mais j'ai déjeuné, pas fait attention au PSN, un truc pour 5 millions. Merci, mon ref. On fera un live pour les 5 millions, les gars. Live 24 heures. Semaine prochaine, je ferai une vidéo. Et peut-être la semaine d'après, objectif passer les 5 millions en live. Et on se fait un live 24 heures. Ça vous chauffe ou pas dans le chat? Il va casser les couilles avec son tank, je sais. Il va me saouler, frère. Je monte dedans, je fais quoi? Ouais, je peux pas. Faut que je me casse, frère. Je vais me casser à tilter, là. Ou à sanctuaire, là. Là. Je crois qu'il est plus dedans. C'est un bot dedans ou c'est un mec? Putain de sa mère! Oh. On m'a fait une peur. Oh putain, il m'a explosé à la gueule. Oui, 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 oui. Vas-y, on se rend à live 24h, les gars. Il m'a explosé à la gueule, le poteau, frérot. J'ai plus de heal, là. On va se barrer. Merci Slime, mon rêve c'est que tu viennes dans mon bain. Moi, frérot, il y a des trucs, des fois faut pas que je lise. Merci mon rêve. Je vais te faire une petite branlette, merde, attends. Hop. Tu préfères larguer ta meuf ou te faire larguer? Je préfère me faire larguer, comme ça j'ai rien à me reprocher. J'ai pas de regrets. Généralement celui qui largue il a des regrets. Je dis, putain, est-ce que j'ai vraiment dû le faire? Et généralement c'est lui qui se mord les doigts à la fin. Je préfère être dans la position de demandeur. Je préfère être dans la position du mec qui a déjà oublié pendant que l'autre t'as pas encore oublié. Ah frérot. Moi quand je m'embrouille avec quelqu'un ou quoi, ça trottine trop dans ma tête, frérot. Je déteste ça. Je pense trop, moi, les gars. Que mon cerveau il cogite, hein. Que ça cogite. Tu te rappelles du vlog de Dogby pendant ton live Clash Royale? Bien sûr je me rappelle. D'ailleurs, code créateur InoxTag sur Clash Royale. Hein. Qui l'a mis dans le chat? Qui l'a mis? Je veux voir qui l'a mis. Soyez honnête. InoxTag sans majuscule. Ceux qui le mettent, et merci les gars. Ça régale. Ça met la daronne à l'abri. Je vais aller à Tiltel tranquillement. Moi, je veux devenir acteur, mais mon kiki est trop petit. T'as pas besoin de d'un gros kiki hein, pour savoir réciter une scène. Ah, oh ouais, j'ai compris. Oh, le... Ah ouais, non, j'en peux plus. Ah,
Ah ouais, c'est pas acteur tard les films James Bond, non, c'est acteur tard les gros pénis, ah ouais, j'ai compris. Ah ouais, ouais, ouais. Merci Slime, merci mon ref. Oh les cracks, merci à tous ceux qui ont mis le code créateur Inox Tag. Ça fait plaisir. Putain, y'a pas de but, j'avais oublié. Voilà, je l'ai mis. Oh, ça fait plaisir, t'inquiète, t'étais pas obligé de jurer, hein. Je te crois, hein, mon ref, tu me dis je l'ai mis, je te crois. C'est grave cool, mon ref. Merci. Ah, j'espère vous passer un bon live. Moi, en tout cas, je suis grave détente là. Je suis trop bien. Je suis en détente, on papote ensemble. Est-ce que c'est bien d'avoir 111 abonnés sur YouTube? Merci, mon ref. Bah, moi, j'avais 111 abonnés, ouais. Il y a 3 ans et demi. Alors là, je pense qu'il y a des petits poteaux qui nous attendent bien sagement pour qu'on leur mette une balle dans les fesses. Attends, on prend ça. Ça, on prend le heal, on va attaquer après. Je vais aller attaquer. Tu kiffes la saison 2? Ouais, j'aime bien. En vrai, j'aime bien les gars, moi là. Je passe un bon moment. Le fait qu'il n'y ait pas de construit, ça me met un petit challenge là. Hop. Attends, j'ai entendu des mecs, mais je sais pas où ils sont. Je vais prendre le coffre déjà, parce que j'ai pas un stuff tarlé ouf, hein, les gars. J'ai un stuff un peu de merde. Comment t'as fait pour être connu? Mec, je sais pas. J'ai joué à Fortnite. J'ai rencontré Kawabunga. Après, j'ai joué avec mon ref Michou. Et on est monté ensemble. Oh, mais j'ai jamais de balles sur ce jeu! Mais les gars, j'ai jamais de balles! Il y a 3 balles dans le chargeur de la mitraillette! Il y a 3 balles! Eh, la mitraillette, elle est éclatée, frère. Il y a que 3 balles, ils ont enlevé des balles, c'est pas possible. Je regarde ton live alors qu'il y a ma meuf qui me pipe. Salut à ta meuf! J'espère que tu passes un bon moment. Je pense que tu peux pas trop parler là, t'as la bouche pleine, mais. Allez, on relance une game. On relance une game. On va essayer de tenir le plus de games possible. On va voir si t'es endurant. On va voir combien de games je fais. Allez, une. Oh non, 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 non. Oh, il arrive à bander en voyant ma tête. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais j'en peux plus, moi. Il y en a, c'est vraiment des malades. Il y en a, ils sont vraiment fous. Ah non, c'est trop. Ma passion, c'est militaire, mais je sais que je vais me prendre une balle. Il y en a franchement dans le chat, vous êtes pas mal. Franchement, il y en a qui sont... Je vous aime bien dans le chat. Franchement, il y en a, vous êtes des cracks quand même, les gars. Vous êtes bon. Je vais pas mentir, vous êtes bon. Vous faites des bonnes blagues. Heureusement qu'on n'est pas sur Twitch. Pourquoi? Il y a quoi sur Twitch? Tu penses qu'il faut en modération dans ton chat? Non, en vrai, là, ça va. Le chat, vous êtes carré. Pas besoin. Il y a des modos, de toute façon, qui gèrent, mais en vrai, ça va, c'est drôle. Frérot, si on peut plus rien dire de drôle sur le live, frérot. C'est bon, hein. S'en bat les couilles, hein. Moi, ça a rien qui me choque, les gars. Je me branle devant ton live. Ouais, bon, là, ça me choque un peu. Là, oui, bon, faut s'agirait de doser, les gars. Tu m'as droit, élan, us, j'ai kiffé. Merci, mon ref. Ok. Ok, je vais pas aller là, il va me prendre. Là, j'ai mon pompe. Ma pote, on est à la tiltelle, les gars, on a porté nos couilles. Hop. Pourquoi tu prends jamais d'AR? Y en a pas là, des AR comme avant. Hop, je prends ça. Ah, celle-là, yeah, mais elle est éclatée, non? Est-ce que je peux faire une dédicace à toi? Quoi, Lukatsu? Grosse dédicace, Lukatsu, mon frérot. Merci de me suivre, ça fait très plaisir. T'es un génie, je t'aime. J'aime la pétanque. Ouais, c'est un bon sport, la pétanque. Moi aussi, j'aime bien. Mon poisson est mort, il s'est noyé. Merde. Tu lui as pas donné à Graille?
on a tous eu des poissons qui sont morts. Moi, ils sont pas morts, mes poissons, t'as vu? Moi, quand j'étais petit, j'ai deux poissons qui sont morts. Mais... là, mes poissons dans mon bocal, ils bougent pas d'un poil, frère. Ils vivent une vie de roi, frère. Oh, ils ont le Vogue Mairie dans le truc. Ils sont très, très bien. Hop, on va essayer de trouver une petite mitraillette. Il y a des mecs là-dedans, on va aller se les faire. Oh frérot! Ah ouais, c'est baisé là-haut, frère. Ah, il est là-haut le con. Il est là-haut le con. Je vais pas tenter, moi. Je tente pas, hein, les bails comme ça, frère. Même pas, je tente, je vais faire. Même pas tu t'échappes. Même pas t'as le droit de t'échapper. Alors lui. Eh hey frérot, t'as cru, je m'appelais comment? T'as cru toi tu me rushes comme ça? C'est open bar, c'est la chicha? T'es malade. Faut que j'aille le fumer l'autre les gars. Oh y'a un autre mec là. Recharge. Te fais pas niquer une deuxième fois. Wow! Oh putain! J'ai pêché des poissons, je les ai mis dans mon aquarium. Vous avez quoi avec les poissons, les gars, là? Il y a un mec à côté, là. Je l'ai vu, moi! Top 1, le chat! Un maximum de flammes pour ce top 1! Je les fume moi, je vous le dis. J'ai la... Oh putain, j'avais pas vu, j'ai la thermique. J'ai la thermique. J'ai un tank et la thermique. Et tu crois que je vais aller dormir? Tu crois que je vais me doucher? J'ai un tank et la thermite et tu crois que je vais me doucher? Il y a des mecs dans la ville là, c'est sûr. Par contre, je pense qu'ils se fightent dans le bateau là-haut. Je pense qu'ils se battent là-haut. Salut là, tu peux... Merci Flo pour ta donate. Je pense que ça se tape là. Il a combien de vie lui? Tu m'expliques? 110? Ah! Sa mère, mais putain, mais gros! Il est mort aussi? Ah non, je l'ai vu sauter, je me suis dit c'est bon, j'ai le parapluie. Oh putain de merde. Oh, j'ai fait un saut, frérot, et je me suis dit. Oh, je me suis rétam, c'était trop sale. En plus, c'était un bon début de game là. J'avais ma thermique et tout. Ah ouais. Ma passion c'est YouTube. Obliger les messages, les super messages en CB. Non, moi je lis tout le chat, je lis pas que les messages en CB. T'as été live à quelle heure? Je sais pas, minuit, un petit truc comme ça les gars. Ah ouais, je me suis bien rétam hein. Je kifferais avoir un chat mais je suis allergique. Mais comment tu peux être allergique au chat? Imagine t'es allergique aux humains. C'est trop baisé. Eh hey, tu nais, t'es allergique aux humains. Moi, ma passion, personne ne s'y intéresse, c'est dépolluer. Tu peux me donner ton avis, s'il te plaît. Tommy, tu veux que le chat te donne son avis sur ta passion dépolluer? Le chat, est-ce que vous pouvez tous donner votre avis sur sa magnifique passion qui sauve notre planète? Il faut le dire, il en faut plus des gens comme toi. Alors, si je te voyais dans la vraie vie, je te dirais félicitations, c'est bien. T'es utile. Merci, mon ref. Merci, Tim. Salut, Nox, j'ai un problème de mon concombre. Il est trop petit. Il fait 4 cm, j'ai honte. Mais t'inquiète, Tim, hein, moi aussi, il fait 4 cm. Moi, j'ai un zizi. Quand il est pas dur, il est petit. Et quand il est dur, il est normal. T'as vu, il est bien, tu vois. Mais t'as des gens... T'as des zizi sanguins et t'as des zizi pas sanguins. J'ai vu ça sur Internet. J'ai fait... Ah ouais, j'ai pété ma tête. J'ai fait... Ah mais ok, je comprends pourquoi il est tant petit, alors. C'est vrai, c'est vrai les gars, il y a deux types de zizi. Hein. C'est vrai ou pas? Il y a deux types de zizi ou je suis tombé sur Wikipécon? Ok, je vais petite tête ouverte.
Ok. C'est parti. Inox, tu es roussiste. C'est quoi roussiste, mon ref? Ah, c'est roux, mais t'aimes pas les roux? Non, moi j'aime bien les roux. Frérot, il y a des rousses, elles sont magnifiques. Magnifiques. Moi je trouve c'est joli la couleur roux. Et au moins, si un jour tu crèves, bah t'as une roue de secours. J'aime tous les roues de France. Et toutes les rousses de France. Merde, comment je l'attrape ce truc là? Attends, regardez le saut. Hein. Batman. Attends. Attends. Allez. Bon, allez hop, c'est bon. Ça. Mais putain, mais comment je prends ça? Ok, c'est bon. Je peux pas prendre les bidons là-haut. Attends, je prends ça. Hop. Il me faudrait une petite mitraillette, les gars. Il me faudrait une petite là, mitraillette. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y en a. J'ai l'impression qu'on me chionnait là. Ma passion, c'est baiser. Ah ouais, sacrée passion. Ah, il y en a beaucoup, c'est leur passion, ça, faire l'amour. Bah après, je pense que c'est bien, hein. Attends, je vais prendre ça. Attends, je vais aller là. Allez les gars, c'est la bonne. Faut qu'on refasse un top 1. On a fait un top 1 aujourd'hui, on doit en refaire un, les gars. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit de se chier dessus, les gars. Me revoilà. Ouais, ouais, je t'ai. C'était là au début du live. Wesh, re. T'en penses quoi des Jordan 1 IOG? J'adore, moi. Jordan 1, je valide. Fort. Mon voisin fait trop de bruit, je vais leur dire de faire moins de bruit ou pas? Ah, ils font l'amour à côté? Ah ouais. Mets le coussin dans les oreilles, hein. Oh, je vois des trucs dans le chat, peut-être des baisers des fois. Merci Lucas, est-ce que tu fais des vidéos sur Naruto? On a déjà fait une sur ma chaîne secondaire. Mais sinon, non, je fais pas de vidéo spéciale Naruto. Si j'ai fait une vidéo pour qui peut te faire kiffer les animés, j'en ai fait une. Si tu veux aller voir. Oh bah tiens, parlant de Naruto. C'est quand même incohérent qu'en parlant de Naruto, il y a Naruto. Mais j'en aime de ouf, les gars. J'en aime de ouf. Vous êtes d'accord là? J'ai été monstrueux. Regardez, hein. Je suis mort, rien derrière. J'en peux plus, j'ai envie de sucer un zizi. Si je tue, je me suce. Ah ouais, bah non, c'était pas possible. Le mec, il me tirait dessus déjà. Déjà, frérot, lui, il avait pas de vie, c'est bon. C'est trop aussi. Lui, qu'est-ce qu'il fout là? Ils s'attaquent pas, quand, par contre, quand c'est moi, ils attaquent, quoi. Inox, tu pourrais faire... Ah, j'ai pas vu, c'est pour défiler. Nerf, je t'adore, t'es le best. Je vous adore aussi, le chat. Un maximum de cœur à partir de maintenant, vous êtes des cracks. Moi, mon chat est mort. Il a eu un problème respiratoire dans ses poumons. Il y avait une fuite d'air. Merci, Zayt. Gros, gros cœur à ton chien, à ton chat. Qui... J'espère qu'il va bien. Allez là, ça relance une game, là. Ça relance une game. Ma passion, c'est maths et dessin. Bah, moi, tout ce qui est court comme ça, j'aime pas trop. L'école et tout, là, c'est pas trop ma passion. Après, chacun ses passions. Je t'avoue, les maths et tout, c'est pas trop mon truc. T'as vu l'Insta Rebecca qui t'envoie toujours des dons bonnes. Donc, t'as Sébastien qui vient de me faire un don de 2 euros pour me dire, t'as vu la meuf qui s'appelle Rebecca à tous tes lives? Je suis allé sur son Insta, elle est trop bonne. Allez. Il y a un mec qui m'a envoyé ça. Non, frérot, je suis pas allé voir son Insta. Et ça se dit pas, les choses comme ça, mon frérot. Ayons un peu de respect, les amis. Senei, merci pour ta donnée. Le 2 ou 3 avril, je vais avoir un PC gamer. Bah, félicitations, mon frérot. J'espère que t'as pris un bien.
Merci mon gars. Le live 24h, tu finiras le jeu d'horreur avec Squeezie? Ouais, il y a de fortes chances. Je vais lui demander de venir. On finira le jeu avec Squeezie, jeu d'horreur. Ma passion, c'est le sport auto. T'en penses quoi? C'est d'art, hein? Les voitures et tout. C'est de la frappe. Ma passion, c'est le rap, mais impossible de percer. Arrêtez de dire impossible, les gars. Arrêtez. Arrêtez toutes ces foutaises. Arrêtez. C'est possible, mais c'est dur. Si on réchauffe l'air, est-ce qu'on paye moins cher le chauffage? On paye moins cher le chauffage. Bah, si tu réchauffes l'air, tu sais que tu as un chauffage, logiquement. Sinon, tu peux pas réchauffer l'air. C'est qui Squeezie? Un youtubeur, moi. Merci de Noteborg. Grosse dédicace. De Neubourg Christopher. Merci mon ref. 4-0. De quoi 4-0 les gars? L'OM a gagné 4-0. Jury gagne 4-0. Je vais prendre cette petite mitraillette qui m'a l'air bien lisse. Histoire de faire un bon carnage. Voilà. Là je vais aller. Oh, il y a un missile. Je vais aller fumer des culs, hein. C'est quand la prochaine vidéo en voiture? Dans un an, frérot. C'est une par an, frérot. Je viens de la sortir, là. Le chat, vous savez que vous êtes très beau, vous êtes des BG. Je vous remercie infiniment d'être sur mon live, de mettre des pouces bleus, d'être abonné, de mettre la cloche. Vous savez que vous êtes magnifique. J'aimerais vous le dire parce que je crois qu'il y en a qui ne le savent pas assez. Il est où, mec? C'est barré. Ah bah merde. J'ai un kill. Bon, ça se fait. Barça 4-0. Ah ouais. Barça Real. Ok, c'est pas OM. Barça Real. Barça qui ont gagné 4-0 contre le Real. Ah ouais, c'est violent. Mais le Real, ils sont là au retour. Ouais, Jules, merci pour ta donate. Merci infiniment. Salut, ça va ou quoi, mon ref? Merci du fond du cœur pour ta donnée, Jules. Hein. Merci beaucoup, merci, je te remercie du fond du cœur. Merci infiniment, Jules. Les gars, je peux vous le dire, cette top 1, je la sens bien. Je la sens très bien, cette game. Je sens un bon top 1 bien frais, qui sort du four. Ça va être très sale. Hein. Faut juste que j'ai des bonnes armes, quoi. Chill, toi. Moi, je me suis chill. Est-ce que le hog là il est bien les gars? Soyons honnêtes. Est-ce qu'il est bien ou il pue la merde? Ah mais oui, mais il est trop bien celui-là. C'est le thermique les gars. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Frérot, tu peux dire à chaque personne de ce live que tu les aimes? Bah j'aimerais bien, mais je vous aime tous les gars, mais. Je peux pas lire tous vos blazes et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais sache que je vous aime tous. Buvez un verre de lait en moins de 10 secondes et nous fera un don de 30 euros. Ah frérot, je t'avoue, t'inquiète, garde ton argent mon frérot. Non, en vrai les gars, je vous kiffe. Ça me fait plaisir que vous soyez là à me regarder le soir. Je vous remercierai jamais assez. C'est un plaisir. Merde, attends, y'a un mec là. Il me tire de où? Je crois qu'il me tire de là-haut. Ça, c'est la gueule d'un mec qui campe là-haut. Je le sais. Je le sais en fait. Pourquoi tu fais plus d'interview? Parce qu'on m'invite pas pour en faire. Si, j'ai le journal de Saint-Germain-en-Laye qui m'a demandé une interview. J'en ai fait une d'ailleurs. Ok. Attends, mais où je vais lui mettre un truc sale. Hein. Oui, bon, il est invisible aussi, lui. Il est invisible, lui. Pourquoi il prend 0 balles, lui? Je vais aller le rush, hein. Attends, peut-être que je vais avoir du heal. Je live demain soir ouais, demain soir je live. Normalement je live avec Amine. Il va faire une tier list sur le style des streamers ou j'en sais rien. Il voulait que je vienne. Ah non, sur le streamer qui pue le plus, je crois. En mode de l'odeur. Déjà lui, il est en goat. Merci beaucoup, Asenei. J'en ai déjà fait une. Va voir, je parle de mon collège, mes collèges inox ou école inox, comme ça. Merci Virgile, j'aime bien ton prénom. J'aime le prénom de tout le monde, moi. Je m'en bats les couilles, en vrai. C'est un prénom. Hein. Ok, ça
peux rien de rester là. Vous voulez voir quoi comme vidéo dans les semaines à venir? Je vais voir si j'ai bien pronostiqué mes prochaines vidéos là. Merci Zozo pour ta donate. Dites-moi tous une vidéo que vous voulez voir. Putain, il m'énerve. Il m'énerve avec son tank. Je vais aller là-haut, je vais me casser. Wow! C'est un mec ça ou c'est un bot? C'est un bot? Oh, c'était un mec, putain. Ah, il m'a fait mal, hein. Merci, The Wall. Merci, Zozo, moi aussi, je t'aime. Ok, y'a quoi là-bas? Ok. Ok, je prends ça, ça, ça. Vidéo avec l'armée, elle sortira jamais, mon prof, cette vidéo. 48 heures dans la voiture. Inox All My Sneaker 3. Dès que j'habite dans ma nouvelle dans mon nouveau chez moi les gars, je ferai un All My Sneaker. Je ferai un hashtag 3. Ça c'est sûr. Je vais me faire une salle de sneakers et tout. Faut juste attendre que j'habite tout seul. Équitation. Vidéo avec un aigri. Ah merde, j'ai y a pas de but, j'avais oublié. Attends, ouais, faut que je prenne les trucs comme ça, les gars. Malheureusement, je pense que je vais prendre ça à la place de la répulsive. Fais la suite de je teste mes limites. Ah, ça peut être pas mal. Comment enfiler une capote? Oh non, les gars, arrêtez quand même. Un peu de maturité. Oh. Tu m'as pas vu? Oh le con. Il m'a vu. Il m'a vu. Si je tire, je le touche ou pas? Ah ouais. Bah, je suis trop nul. En fait, j'ai pas capté en fait. J'ai pas capté que je pouvais tirer avec le truc dans le sapin. Yenox, tu penses quoi? Tu penses que c'est bien 75 abos? Bien sûr, mon ref, en une semaine. Ah frérot, en une semaine, moi j'avais 3 abonnés, donc... Sois content, mon ref. Merci Nathan, t'es un crack. Merci, mon ref. Merci Fabien. Ouais, c'est bien. Tant qu'il y a des gens qui te suivent, c'est bien. Inox, j'ouvre ma salle de sport. Mon chien... Ah ouais, non. Ta game potion. Tu pourras faire un vlog quand tu vas au Mexique? Oui, oui, t'inquiète, mon ref. Bien sûr. Urbex. Ma passion est le foot. Ah, il est sur PS4, le poteau. Je l'adore. Yo, frérot, j'ai une page d'Insta Sneakers. Merci, mon ref. Ça fait plaisir. Tu vas faire un live spécial sur... Alors, c'est bien 500. Ouais, c'est bien. Tu peux faire une grosse dédicace Enzo, mon ref. Grosse dédicace, mon frérot. Des gros BG, des gendarmes qui vous ont ouvert la route à Roubaix. De ouf, des gros BG, frère. Beaucoup d'émotions dans la vidéo Paris-Roubaix, bravo. Merci beaucoup mon frérot, ça fait plaisir. Heures menottées avec GMK. Ah, cette vidéo elle serait trop aberrante, frère. Elle serait trop aberrante. En vrai j'ai pas envie de quitter le live, mais demain j'ai cours. Aïe aïe aïe, vous commencez à quelle heure demain les refs? Aïe aïe aïe. Est-ce que je vous mets un best-of mardi soir? Je vous mets une vidéo best-of. Oh, je vous fais une petite vidéo sur la chaîne secondaire. Urbex et d'art de ouf. Maison hantée. Merci Lucas, merci mon ref. Par contre, tu t'aides. Hein. Roubaix, c'était Zambiland. Ouais, à la fin, c'était Zambiland. 8h, 8h. Ah, force, les gars. On y est tous passés, les gars. On y est tous passés, les 8h de matin, ils font mal. Ah, les 6h du matin, le réveil à 6h du matin, ils font très très mal. Hein. Force à vous les BG. Mais en fait, moi les gars, même quand je commence à 6h, j'arrivais pas à quitter mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode... Attends.
S'il me tue avec... Ouais, mais frérot, comment il me tue avec ça, frérot? Putain. Il est tout près de moi, c'est trop dur à jouer, normalement. Merci, Lucas. Moi, les gars, je suis trop sur mon téléphone. Avant de me coucher, impossible que je décroche le téléphone. Même un dimanche soir, je me couche à 1h du matin. Alors que j'avais live. J'adore tes lives, merci, mon ref. Vous regardez souvent mes lives, ceux qui sont là, ou c'est... Ou pas souvent, en ce moment? Après, en ce moment, j'ai pas live beaucoup. Je suis jamais allé dans la nouvelle maison de Valouz. Dans la nouvelle maison de Valouz. Non, on peut plus build les maisons. On peut plus build là sur la saison. Mec, je suis allé à la salle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, putain. J'adore. J'arrive pas à quitter ma copine. Ah, tu veux quitter ta copine? Bah, faut pas la faire espérer, quoi. Si tu veux la quitter, faut que tu la quittes, quoi. Pas souvent, tout le temps. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone, frère. Je me réveille, je suis sur TikTok. Je m'endors, je suis sur TikTok, frérot. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de TikTok? Parce que moi, les gars, je fais un TikTok par mois, frère. Donc, c'est vrai que TikTok, je suis dessus de fou. Mais je fais jamais de trucs sur TikTok, frère. En ce moment, je regarde beaucoup les vidéos des croutons. C'est trop bien que tu fasses une vidéo avec le grand GD. Je vais en faire une, les gars. Ceux qui ont vu ma FAQ, là. Tu vas vraiment faire une salle pour sneakers? Tu vas vraiment... Ouais, je vais vraiment faire une salle pour mes sneakers chez moi, dans ma prochaine maison. Quand j'habiterai tout seul. J'espère bientôt. J'adore tes lives. Merci, mon ref, ça fait plaisir. Tout le temps, t'es mon youtubeur préféré. Ça fait plaisir, en vrai. Ça me touche. J'ai toujours voulu être le youtubeur préféré de quelqu'un. Ma grosse passion, c'est l'airsoft. Ça aussi, c'est pas mal, l'airsoft. Salut, ça fait longtemps. Wesh, Dark Five, ça va ou quoi? Ça va et toi, mon frérot? Merci beaucoup pour ta donate. Merci beaucoup à ceux qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas. Bombarder la barre de like, ça fait plaisir. Ok, j'ai un pompe, c'est pas mal. Faut que je me casse par contre. Merde. J'entends un mec. Il est où? Attends, je prends ça. Je pense que je vais essayer de faire plus de TikTok, les gars, en vrai. Attends, mais le problème, c'est qu'il y a un mec, ça me fait stresser. Wesh. Allez là. Oh le brain. Oh le brain. Putain. Ça va me rush. Oh, j'ai failli l'enculer. Oh, dommage. Vu que tu penses à l'avenir, est-ce que t'investis? Bah, j'essaye, mon ref. J'essaye d'investir. On fait comme on peut. Ah, fais chier. Fais chier. J'arrive plus, là. On retente une dernière game, les gars. Si ça passe, ça passe. Sinon, tant pis. Chaque live perso, je suis là, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Yes. Il y a 39 000 likes, les gars. Vraiment. Merci, Zebri. Merci, mon ref. Il y a vraiment 39 000 likes. C'est quoi ton plus grand salaire sur YouTube? Non, les gars, je peux pas. Je peux pas dire les salaires et tout après. Oh, tu connais. Non, mais vous savez combien je gagne, enfin, à peu près. Merci, Hamso. C'est vrai que c'est délicat. Les trucs d'argent et tout. Frérot. Moi, j'ai plus trop envie de parler d'argent, c'est bon. Bon, je mets des tweets drôles, des tweets second degré et tout. Les gens, ils me cassent les couilles. Ils me cassent les couilles pour rien, frère. Je suis là, je suis dans mon coin. Trop. Je sais pas si vous avez vu, là, sur Twitter, je me suis fait allumer à un moment. J'avais dit... je sais plus quoi.
Ouais, l'essence, on va la couper à l'eau et tout. Moi, je trouvais ça drôle, t'as vu? Ah, frérot, Twitter, ils m'ont terminé, gros. Hein, ils m'ont terminé. Ils m'ont dit, ouais, ta gueule, t'es millionnaire. Arrête de faire genre t'es pauvre. Alors que ça, c'est rien, le tweet. Pour moi, je me dis, frérot, que tu sois riche ou pas, elle est chère, l'essence, tu vois. Moi, j'ai dit ça en mode comme ça. J'ai pas fait genre, ah, je peux plus payer mes fins de mois à cause de l'essence, tu vois. Ah, je me suis fait tuer. Ah, c'est pour ça, c'est fini, je parle plus d'argent, frère. Ah, c'est bon. Allez, les gars, last game. Last game. C'est pas mal, Rocky Reels. Tu me donnes trop envie de faire des vidéos sur YouTube. Eh bah, lance-toi, mon ref. Lance-toi. La vidéo que j'ai pris le plus de temps à faire, ah, les 2 mois de musculation, je pense que c'est une des vidéos où j'ai pris le plus de temps. La seule console que j'ai cherché chez moi, c'est une Wii PS3. Alors, je n'ai jamais vraiment joué aux jeux vidéo. Ma vie est triste. Ben non, frérot. C'est Dar la Wii. Merci Darkfight, désolé pour l'absence. Merci pour la vidéo. Merci, merci mon ref Darkfight. Merci Enzo. Merci les BG. Attends, je vais aller péter un petit pompe là. Hop, hop, on prend ça. Hop là, on va aller dans cette maison, il y a un mec. J'aurais aimé faire un autre top 1 là. Au moins on a eu un top 1 les gars. Au moins. C'est pas fini, on peut en refaire. Ok, je l'ai eu. Maintenant il y a un gars qui veut pas me lâcher. Attends, il veut pas me lâcher le poteau là. C'est un bot qui me focus comme ça, les gars. Ta vidéo préférée sur ta chaîne, c'est laquelle? Moi, c'est Cube, les gars. C'est quoi, vous, votre vidéo préférée? Je suis mort, GG. Ah, je suis mort. Moi, ma vidéo préférée, c'est Cube. C'est Cube, les BG. En vrai, là, je suis pas concentré, je lis trop le chat. Je lis trop le chat. Moi, c'est Cube avec Flashboy. La muscu, j'ai kiffé aussi. Paris-Roubaix, le date avec Andrea. Date avec Andrea. Moi, je mettrais Cube. Date avec Andrea. La vidéo sur la muscu. Mon anniversaire. Il y a plein de vidéos que j'aime bien. Merci, Sensei. Merci beaucoup, mon ref. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été là. Les gars, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si ce live vous a plu. Ça m'a fait grave plaisir de live. Je sais qu'il est tard, c'est dimanche. Je vais pas vous retenir trop longtemps. On a live 3h10, ça fait plaisir. On se voit en live demain aussi, les gars, demain soir. Vous inquiétez pas. On livera avec Amine et tout. Peut-être après, on finira sur du Clash Royale demain. Un truc comme ça. Mais voilà, voilà, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui ont été là, à tous ceux qui ont vu la vidéo Paris-Roubaix. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné un élan de motivation pour vos projets et tout, de vous dire n'abandonnez rien. J'espère que vous avez compris le message. Et voilà, voilà, voilà. Putain, les gars, ça m'a fait plaisir de faire des lives. Les gars, la tête de WAM en ce moment, je la fais pas trop. Et là, j'ai vraiment envie de live, là, ça me fait plaisir. Là, tu vois, le live, là, j'étais trop bien, on a parlé ensemble. C'est carré. J'avais pas eu trop le temps de live, t'as vu les 2 derniers mois là, mais là je suis content là. T'es pas chaud de faire une surprise sur le live de Haki? Ah oui, au pire on peut aller voir. Il y a mon monteur qui fait un live 24h les gars. Merci Sainei, merci Enzo. Il y a mon monteur qui fait un live de 24h. Allez sur Twitch, mettez Aeron. Aeron, c'est le nom de mon monteur. Je vous mets. Attends. Au pire, vous savez quoi? Je vous montre. Comme ça, tout le monde lui envoie des cœurs pour son live. Il va être content. Merci Black, merci mon ref. Attends. Twitch. Twitch.tv. C'est Aeron. Ah non, c'est pas Aeron. Attends, je connais pas la chaîne Twitch de mon monteur. C'est quoi la chaîne Twitch de mon monteur, les gars? Attends, merde. Ah merde. Ambiance bizarre. Attends, ça c'est mon monteur. Twitch. Ok, les gars, il fait un live 24h. Allez lui donner de la force.
Ça fait plaisir, c'est lui qui torche mes vidéos tous les jours. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Vous avez le... Je peux pas mettre le lien dans le truc, mais son live c'est Aeron Prod. Aeron Prod. Allez tous dessus, je vous fais tous des gros bisous les gars. Vous êtes des cracks, merci à tous ceux qui ont été là. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, Insta. Ça fait plaisir, des bisous. On se revoit demain pour un...